Bonjour et bienvenue à nouveau sur Radio Olympique TV pour la suite de ce Rugby Day pour lequel vous avez été déjà très nombreux pour le match Albi Blagnac. On vous en remercie. Et on arrive à ce deuxième match, l'affiche du jour entre le Castres Olympique et les Bristol Bears. Pour commenter à nouveau, Alexandre Calamotte, hashtag Mister Amazon. Salut Alexandre, à nouveau. Pas loin de toi, Alexis Cassan, l'arbitre Radio Olympique TV du dimanche. Salut bonsoir, Alexis Cassan. Bonjour, bonsoir, on est presque le soir maintenant à 18h. Presque le soir. Et à côté de toi, le petit nouveau pour qui c'est le baptême. Et je sais que dans le monde merveilleux des supporters du Castres Olympique, ça grince les dents déjà. Il s'agit de Julien Joligard. Salut Julien. Bonsoir à tout le monde. Alors messieurs, parlons peu, parlons bien. On a vu le Castres Olympique la semaine dernière un peu se balader pour son premier test match. Mais aujourd'hui, les Bristol Bears, ça va être autre chose.
Ouais, là, ça risque d'être autre chose aujourd'hui. Une autre opposition. Et une opposition britannique aujourd'hui. Donc, généralement, les Britanniques, ils sont connus pour venir pour pas faire figuration à l'image des Sharks l'an dernier et les années précédentes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une belle opposition. Et ça se voit par rapport à la composition du castre olympique aujourd'hui. Alors en effet, on peut voir qu'au niveau du castre olympique, on commence à rentrer en phase championnat. Il est temps pour nous de nous projeter déjà sur la rencontre de samedi prochain face à Montpellier. Donc on va commencer avec la composition du castre olympique. Ouais, si tu veux, vas-y. Allez, donc pilier numéro 1, Antoine Tichit. Talonneur, Marc-Antoine Rallier. Pilier droit, Wilfried Houck-Patin. Deuxième ligne, Christophe Sanson. Deuxième ligne, Capo Ortega. En numéro 6, Camille Girondeau. En numéro 7 et capitaine, Delaporte. En numéro 8, Alex Toulou. En numéro 9, Rory Cocotte. En numéro 10, Thomas Fortunel. En numéro 11, Geoffrey Palis. En numéro 12, Eberson. En numéro 13, Thomas Cambezou. En numéro 14, Armand Bail. En numéro 15, Dumoura. Pour les remplaçants, on y viendra juste après, puisque il faut bien comprendre que sur ce match amical, on aura quasiment deux équipes qui vont pouvoir jouer. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, vis-à-vis de la feuille de match, on peut quand même voir déjà au niveau des numéros quelque chose se profiler, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. En English, profiling. on va pas commencer avec l'anglais là, pas encore. On a déjà du mal avec l'anglais. Alors le numéro 16, Sosaré. Numéro 17, De Beneditis. Yeah. Numéro 18, Claire. Numéro 19, Enkinsi. Numéro 20, Fernandez. Numéro 21, Tatre. Numéro 22, Vialel. Numéro 23 et revenant, Wiyongi. Numéro 24, Mathieu Babillot. Numéro 25, Anthony Gelon. Numéro 26, Rado. Numéro 27, Falatea. Numéro 28, Jeanneker. Numéro 29, Tarin. Numéro 30, Gimeno. Numéro 31, Clavière. Et numéro 32, en revenant aussi, La Peyre Benjamin. Bravo. Et donc tu le disais justement, Baptiste Delaporte. Et le castre olympique qui est en train de rentrer au vestiaire. Exactement, sous les applaudissements du public venu nombreux aujourd'hui à la Cône, malgré ce petit vent et les nuages qui surplombent ce beau stade. Merci à Léo Pétré qui nous fait la météo aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud ici à la Cône. Un petit vent de nord là qui souffle de la gauche vers la droite, hein, on peut voir les drapeaux. Pendant que le castre olympique rentre, on peut voir les noirs et blancs de Bristol qui sont en train de sortir. C'est assez. Donc du coup, je vais enchaîner avec l'équipe de Bristol. Si j'arrive avec mon niveau d'anglais très relevé. Le numéro 1, Woolmore. Numéro 2, Kloska. Numéro 3, Thomas. Numéro 4, Hawkins. Numéro 5, Muldoney. Numéro 6, Batley. Yes. Numéro 7, Thomas. Numéro 8, Luatua. Ah ouais. Numéro 9, Randall. Numéro 10, Shady. Numéro 11, Edwards. Numéro 12, Asher. Ouais. Numéro 14, O'Connor. Numéro 14, Pincus. Numéro 15, Protero. Good game. Ouais, good. Numéro 16, Lindsay. Numéro 17, Thomas. Numéro 18, Tiede. Numéro... Tiede. Ouais, ou Tiada, je sais pas. On verra. On va le dire à la française. Numéro 20, Inan. Numéro 21, Stierzaker. Numéro 22, Madigan. Numéro 23, Powell. Numéro 24, Freaker. Numéro 25, Dow. Numéro 26, Capon. Numéro 27, Joyce. Numéro 28, Thacker. Numéro 29, Lloyd. Numéro 30, Battes. Numéro 31, Daniels. Numéro 32, Uren. Et numéro 33, Afua. On va parler et le capitaine sera Lua
tu as. Ouais, numéro 8 pour la le première mi-temps 8. Et ça sera le numéro 20 pour la seconde. Pour la seconde mi-temps, il me disait tout à l'heure. Donc, les arbitres, on va peut-être parler des arbitres. Donc, c'est Vincent Blasco-Baquet qui remplace Vivien Pradery qui a eu un heureux événement. Sa femme a accouché, donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui. La petite anecdote. Et on aura la touche. Donc, Stéphane Coulon qui a fait tout à l'heure le match Albi Blagnac au centre. Et de l'autre côté, on aura Frédéric Chazal qui sera de l'autre côté voilà, pour les arbitres de cette rencontre. Notre spécialiste arbitre maison. Franchement, Alexis d'un grand professionnalisme. Ouais, c'est bravo. Peut-être la seule chose sur laquelle il va nous éclairer aujourd'hui, mais au moins il l'aura fait. Ça, c'est fait. Ouais, si. Ça commence ça. Je remercie. Je sais pas qui c'est qui a combien joué Jolégard pour faire cette rencontre. En tout cas, au niveau de la règle, je devrais m'en sortir par contre. Voilà. Donc du coup, on peut voir que l'équipe du Castres Olympique peut-être se fait attendre. Enfin, peut-être. Ils se font attendre. Et par contre, on a rentré un peu trop. Ah ben non, tu vas pas aller trop vite. Baptiste Delaporte, l'entrée du Castres Olympique sur la pelouse. Avec ses beaux maillots. Alors si on respecte un petit peu ce qu'on voit sous les yeux, donc les Anglais attaqueront de la gauche vers la droite et donc le CO qui joue en bleu attaquera lui de la droite vers la gauche. Face au vent normalement. Exactement. Après, il faut voir au niveau du TOS ce qui a été gagné. Tu as fait un petit. T'as travaillé, Julien, cette semaine sur le Castres Olympique. T'as pas quelques anecdotes, des petites informations? Alors, on va déjà pouvoir faire un premier point sur l'infirmerie, parce que c'est quand même à une semaine du départ donc de ce championnat top 14 qui va être encore une nouvelle fois très, très relevé. Donc, on a Julien Caminati qui a toujours son problème au scaphoïde, mais d'ici deux semaines devrait reprendre donc l'entraînement. On a Marc Clerc qui lui a un problème à la hanche. Pour l'instant, la disponibilité est non conduite. Et on a Loïc Jacquet et Tudor Stroé qui ont été tous les deux opérés des cervicales et qui sont en phase de rééducation pour le moment. Bravo, bravo. Super, bravo. Très beau travail, Julien. Il ne dit pas que des bêtises, ce Julien Jolégard. Non, ça y est, ça va commencer à taquiner. Bon, je vais pas faire l'arbitre du match entre. Non, t'aurais dû te mettre au milieu parce que là. Et notre ami Jolégard, mais. On va quand même s'attarder. Qui nous présente un truc sur Radio Olympique TV, il me semble, le 24. Eh bien, d'ici une semaine, oui, avec vous, on va se retrouver pour une première émission, une originalité, voilà. Mais on va passer d'abord au coup d'envoi qui a été donné par Thomas Fortunel et récupéré donc par les joueurs de Bristol. Et qu'apporte, gars, qui a des fourmis les jambes, d'entrée, il est monté très vite sur ce ballon. Très belle défense, on monte bien, on est en ligne. Peut-être un ballon à donner en avant, mais le jeu se poursuit. Dépasse vraiment au cordeau. Très contact au cordeau. Attention. Attaque en première main. On voit qu'ils sont très très rapides. Ils sont déjà dans la moitié de terrain. C'est un contre-ruck. On s'est jeté sur le ballon. Je pense qu'on l'a récupéré. Oui, en effet. Il a été récupéré par les joueurs castrés. Tichit qui a la balle en main. Il passe au sol. Rallye au soutien. Rory qui libère. Ah, c'est derrière. Capot, mais c'est derrière. Ça joue encore. Très belle accélération de Toulouse. Trois joueurs sur lui. On libère de suite avec Dumourat. On a le 2 contre 1 et Berson pour Armand Bail. Le 1 contre 1, c'est parti, il accélère. Au contact, passé au sol pour le numéro 7 Bristol. Il revient par la porte, c'est bon, il est sur ses appuis. Ça ne sera pas payé, mais ça va rester un ballon blanc. Un ballon blanc pour Bristol. Un premier compte qui a failli être dévastateur pour les joueurs de Bristol qui, sur une attaque en première main, avait remonté le terrain de 50 mètres. On continue. Ah là, ça va essayer de se dégager, je pense, côté anglais. Ah, ça joue pied. Et ça sera certainement la première touche, à moins que côté Castres la joue. Non, ça sera une première touche à l'intérieur du camp. Elle est vraiment sortie loin, on ne pourra pas la jouer vite. Oui. Et donc, une première touche avec un premier lancé par Marc-Antoine Rallier, notre talonneur maison aujourd'hui, dans cette première période. Avec un premier lancé où il va falloir dompter un petit peu le vent. Et essayer de faire en sorte que cette touche soit droite. Ça peut. Une belle touche de Marocio Reggiardo. Ouais, c'est juste pour lui montrer la voie, justement. Alignement. À savoir que les joueurs de Bristol ont demandé la voiture. C'est Girondo qui récupère pour Rory Cocotte. Eberson. Robbie Eberson. Ouf, comme Zouki est venu avec de la vitesse. Rory qui donne des suites à Toulouse. Qui est repris au sol. Ça vient essayer de gratter. Là, côté Bristol. Touché en avant, je ne sais pas où est. Avantage. Alors que va-t-il donner mêlée.
Oui, c'est une mêlée. Ouais, c'est une alors, mêlée. Sur le placage, très simplement, il y a eu un placage et sur le placage, il y a eu un avant des blancs, donc on rendra une mêlée au camp castré. Oui, il n'y avait aucune volonté du joueur de pouvoir faire en avant ou de. C'est carrément sur le placage, oui. Voilà. Première mêlée de cette rencontre ouais, on va pouvoir dans le camp de Bristol. Les premières lignes. Alors aussi, il faut rajouter une quatrième personne avec nous. C'est Thomas Séguier qui est à la réalisation et qui filme. Mais on a aussi Mika qui s'occupe des statistiques, en fait. À la base, il est arrivé dans un coffre de voiture. Et maintenant, il se retrouve avec un stylo à nous prendre donc toutes les mêlées, tout ça. On le remercie d'être avec nous. Bravo. D'ailleurs, tu en as oublié de mettre le chronomètre. C'est la première, attends. Allez, première mêlée, introduction, Rory Cocotte. On terra son nom, hein, par contre, il est connu hein, dans le milieu. Allez, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Départ de Toulouse, voilà, Toulouse. Voilà. Qui donné donne pour Rory. Oh, là, dommage, perdu mais récupéré, elle est derrière, oui, en effet. Fortunel qui a réussi à... Oh, là, en avant de Geoffrey Palisse. Ouais. Il la prend un peu basse. On peut voir quand même que dans le jeu, Fortunel est assez rapide hein, sur les prises de balles. Il me plaît bien, il veut faire la différence de suite. C'est très très bon pour nous, ça. Surtout que ça correspond tout à fait au jeu de Maurizio. Ouais. Et surtout en l'absence pour l'instant de Benjamin Urdapileta. Donc, oui, qui est en sélection argentine et qu'on salue. La semaine dernière, il vous a suivi. Ouais, c'est vrai. Donc on lui fait un coucou s'il nous regarde en Argentine. Ah ben, j'espère qu'il nous regarde. Qui regarde ses copains. Il a des bons goûts, c'est pour ça qu'il nous regarde. faut pas être trop élogieux quand même, hein. Sinon on risque de se faire taper sur les doigts. Alors deuxième mêlée de cette rencontre. Tout à l'heure j'ai pu assister à le vestiaire entre M. Blasco Baquet, le capitaine de cette équipe, et Mauricio Ricciardo. Il y a des nouvelles directives qui vont être données, ils se voient mardi avec les entraîneurs. Au niveau des positions des joueurs, plus de tête contre tête et surtout au niveau des attitudes, de ne pas avoir... Allez, mêlée gagnée par Bristol, du coup. Ouais, oh là là, cette passe. Ils arrivent à conserver. On était au ruck. Et on récupère la pénalité. Superbe ruck de Baptiste de la Porte. Alors, on le disait à plusieurs reprises quand on était en direct la semaine dernière. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Là on est sur un match amical, donc normalement on est là pour répéter plus ou moins les gammes. Mais quand il s'agit de Bristol en face, Bristol qui se déplace pour une volonté de pas vouloir faire de la figuration et vouloir absolument gagner cette rencontre. Donc quand les points vont se présenter pour les deux équipes, à mon avis on va peut-être pas avoir la même chose que sur le match précédent, à vouloir aller chercher la touche quand les trois points... Alors qu'il y a un facteur, il est tout nu sur un vélo à gauche. Sur un vélo à gauche. Et voilà, il a passé. Tu l'as tenu sur un vélo. Le Tour de France s'invite à la cône. C'est le meilleur grimpeur, je crois, qui est arrivé ici. Attention quand même que la selle ne lui rentre pas trop dans les fesses. Ce qui n'empêche pas Rory Cocotte de passer les trois premiers points. La petite jolie image. Nous n'avons pas eu le temps de mettre le badge moins de 18 sur la vidéo. le patch moins de 18, désolé, on n'a pas eu. Peut-être qu'il va faire un deuxième tour là. Ah, ouais, il va faire un deuxième tour. Il a une vocation pour le cyclisme. Et le ballon qui va sortir en ballon mort, donc il faut quand même revenir au jeu. Parce que c'est exactement, c'est l'essentiel. Ce que vous essayez de regarder en attendant que le striker veuille bien. Vous êtes bien à la conne, messieurs, dames. Il est parti pour faire 24 heures du Mans à vélo. Ce sera les 24 heures de la conne. Hein. J'espère qu'il a une bonne digestion. Pour le moment, on va revenir donc suite à l'engagement de Bristol et une touche trouvée directement. Il a de beaux jambes, le mec. Il est repassé, il est là. Une mêlée donc sur la sécurité vient de l'arrêter. La sécurité vient de l'arrêter. Il y a des infos quand même. Je pense qu'il a dû faire à l'apéro, lui. Bon allez, revenons au match. Allez, troisième mêlée, allez, cette rencontre. Introduction pour Rory Cocotte. Est-ce que ton match a flouté? Parce que c'est important. Il n'y a pas besoin, il n'y avait rien, il y avait le front, on voit rien.
Allez, introduction, Rory Cocotte pour cette mêlée au centre du terrain à la suite de ce ballon qui est parti en ballon mort après du allez, coup super, le pour tout renvoi. Allez, c'est Rory parti. Cocotte qui part. Oui, belle sauté un petit peu en arrière. Sur Jean-Pierre Palis, qui donne à Julien Dumora. Dumora qui revient dans l'axe. Qui croquait. Allez, super, au soutien, on y est. On est hors parti. Jeu. Oh là là, c'était hors jeu, exactement. Antoine Tichit. C'est pas pris par monsieur. Ça récupère. Fortunel qui vient. Sur Sanson. Il faut peut-être écarter, attention. Allez. Bien Marco. Pour Antoine Tichit. Allez, on essaie de ne pas perdre les appuis. On continue, on repasse par l'axe. Allez, on va l'établir. Super, Alex Toulou qui donne qui au contact. Qui a donné sur Capo Ortega, qui est à 2 mètres, plaqué à 2 mètres de la ligne. Oh, alors, c'est hors jeu deux fois, le numéro 5 de Bristol. Là, si c'est pas carton, à 5 mètres attention, de la ligne. Attention. Là, quand même, il y a vraiment volonté d'anéantir. Allez, c'est super. Bon, Gérondo, qui revient vers l'intérieur. Plaqué à 1 mètre de la ligne. C'est écarté, Fortunel. Oh, c'est dans le dos, c'est dans le dos, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais on va revenir à la pénalité. Attention, je pense que. Non, il va pas sortir le carton, il est pas parti pour ça. Mais là, sur une action, il anéantit la question quand même, alors que on avait le. À 5 mètres de la ligne, s'il sort le carton, il y a pas. On avait quand même le surnombre sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que voilà, ils choisissent la mêlée. C'est bien, on se met en condition. Ah, ils se sentent forts, les deux premières mêlées. Se sont soldés par un succès, donc pourquoi pas à 5 mètres de la ligne venir essayer de mettre à mal cette défense blanche de Bristol, les Bristol Bears. Une équipe de Bristol qui est quand même assez jeune, on a pu remarquer quand ils sont arrivés, pour l'instant ils ont 8 cadres dans l'équipe, ouais. Ils ont intégré pas mal d'espoir sur cette tournée, alors au début on leur a dit vous allez venir dans le sud de la France, ils croyaient trouver la mer et le soleil, bon bah ils ont la montagne et, et la grisaille et le vent. Oh, la grisaille, pas tant que ça quand même aujourd'hui, Julien, parce que malgré le vent, il y a quand même le soleil qui vient lécher les visages des joueurs. C'est formidable. Il fait quelques percées lui aussi de temps en temps. Ouais, je fais des percées verbales, si je puis dire. Allez, Rory Cocotte à la manœuvre pour cette mêlée. Au vu du positionnement des joueurs, peut-être ouvrir un grand côté sur Fortunel, peut-être. Ou peut-être un départ au roi de Toulouse. Je sens bien Toulouse, la 89. Attention, donc ça bien joué Dumora, la claquette. Attention, il est rassuré. Sur le pas, superbe passe. Au soutien, Toulouse, c'est parfait. Qui récupère la balle, qui se relève et qui avance. Il a deux joueurs. Il a fait Toulouse. Et là, on se sort pas à nouveau, on vient pour le ballon. Là, il va falloir peut-être sévir Monsieur Blasco, non? Le joueur qui se. Si, il va prévenir peut-être parce que là c'est des fautes assez flagrantes. Le joueur qui ne se sort pas de la zone placard plaqué. On est quand même beaucoup plus rapide sur les sorties de balles et les pauvres Anglais arrivent toujours à contre-temps. C'est compliqué, mais bon, après, il faut quand même. On connaît les Anglais pour venir essayer de ralentir la progression. Toujours à la limite. Toujours à la limite. Là, on est clairement dans la limite, donc attention, puisque bon, on a un arbitrage qui est tout autre que la Challenge Cup ou la. Oui, non, mais là, quand même, là, n'importe quel arbitre, il est obligé de prendre ce genre de faute-là parce que c'est après, vraiment flagrant. Quoi. Là, attention, si tu pas, attention quand même, parce qu'au niveau de l'arbitrage, le ballon est encore dans le rock. Allez, superbe, Sanson qui s'élève. On le récupère. Attention, Camille Girondeau vient d'être balancé gratuitement. Là, c'est dangereux, c'est pris dans le dos. Il ne l'a pas vu arriver. Et oui, premier carton jaune. Carton. Nous sommes à la 11e minute. On n'aura pas vu le numéro. Alors, il est en train de sortir. Je pense qu'ils vont faire beaucoup de fautes. Malgré mes petites fiches avec les visages des joueurs, ça va être un petit peu compliqué s'ils ne se tournent pas pour voir le numéro. Je pense que c'est un deuxième ou troisième. Au vu de sa corpulence, on doit être sur du troisième ligne ou quatrième ligne. Et on a le superbe drapeau du Tarn. C'est le numéro 4. C'est Hawkins. Donc, Hawkins qui. D'après les stats de Michael Benn, on a 5 fautes. Hein. Déjà 5 fautes subies. Pour les Anglais et 0 contre. C'est logique. C'est logique. Donc, le carton est tout à fait logique. Nous sommes à 12 minutes de jeu. Hein. Déjà 5 fautes, c'est énorme. Alors, carton. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour le moment, nous sommes à 3-0 en avantage du Castres Olympique suite à une pénalité de Rory Cocotte. Nous jouons la 12e minute. Et un carton jaune va être donné. Et un carton jaune vient d'être donné. Exactement. Minute. Oh là là, c'est bien.
Bravo. Comme j'avais 4 minutes de retard pour mettre mon chronomètre. Voilà, c'est pour, pour la gouverne, c'est ça. Allez. Eh bien, on va passer sur la 6ème mêlée, messieurs. Donc, déjà la 6ème mêlée. Étant donné qu'on a le numéro 4. On va travailler les mêlées aujourd'hui. Le Hawkins, le deuxième ligne. Donc, il va manquer peut-être un joueur dans l'alignement. Enfin, dans l'alignement. Plutôt dans la mêlée anglaise. Alors, comme vous le disiez, hein, Toulouse, depuis le début du match, a quand même beaucoup d'opportunités. Il prend le ballon en main, il prend ses responsabilités. Et sur chaque portée de balle, en fait, il a quand même bien avancé. Hein. Il a faim, ouais. Tu le vois, le mec, depuis tout à l'heure, il est en train de rentrer plein axe. À chaque fois, il récupère ce ballon dans le rock et il rentre plein axe. Donc, on a Alex Toulouse qui est vraiment très en forme. Ah, il y a du remplacement. On a fait sortir, excuse-moi, je te coupe. Hein. On a fait sortir un trois quarts là pour essayer de ramener de la densité au niveau de la mêlée. Sur la première tentative de mêlée où ça s'est relevé rapidement. Allez, Rory introduit. Allez, du coup, c'est stable. C'est Alex Toulouse qui relève une nouvelle fois. Croqué à 2 mètres de il la avance. Ligne. Mais allez, Rory, on ouvre. C'est parti, joué. Super pour Rodrigo. Capo Ortega aujourd'hui aligné. Allez, une nouvelle fois on ouvre pour Toulouse qui va garder encore une fois la balle. Au soutien Girondeau. Libération Rory Cocotte. On ouvre sur Komozo. Ouh, qui a été retourné. Aïe, on a plongé. C'est dommage, surtout attention, Sanson là de pas prendre un carton bête là sur une chamaillerie avec un joueur. Première pénalité contre le Castres Olympique, on est venu un peu au-delà et on a surtout pas gardé ses appuis. Et c'est dommage, je pense aussi qu'on s'est un petit peu précipité parce que là encore une fois on se retrouve en surnombre sur le côté ouvert. Et on prend 10 mètres de plus. C'est très rare qu'un arbitre. Ah oui, non, mais c'est logique. C'est bien, on parle. Mais oui, c'est logique, mais on le voit pas souvent. Christophe Sanson. Hein. Oui, c'est pas souvent. Alors si de temps en temps vous entendez plus rien, c'est qu'on ait peur en fait de se couper la parole à chacun. Ouais, c'est pas facile, ne vous inquiétez pas, on est en rodage. Ouais, c'est comme le diesel, on a du temps à chauffer, mais après on va être bien. Et d'ailleurs on donne des primes pour le diesel, on en aurait une nous? Non. Peut-être le futur sponsor. Allez. Un lancé pour Bristol, presque à hauteur de ligne médiane. Pour, me semble-t-il, la première touche. Oh, elle n'était pas très très droite, hein, vraiment pas. Ouais, allez, c'est récupéré. Ça attaque dans le cœur de la défense castraise. Ouh, superbe plaquage. On a entendu le bruit jusqu'ici. La porte est vite montée. Il est solide, hein, sur ses appuis, hein, Baptiste. Hein. Allez, bien joué comme Bezou. Dommage, c'est un plaquage manqué. Ouh, le centre qui s'amuse un petit peu, qui garde la balle et qui perce. Ah, bien là. Récupéré. La Sanson. De Sanson. Oh là là, il va y avoir des cartons aussi. Là, attention, là on commence à tomber. Hein. Troisième fois consécutive pour le Castres Olympique. On retombe un petit peu dans les travers que l'on connaît. C'est dommage parce que même si on prend la pression, on n'est pas obligé de se mettre tout le temps à la faute. Hein. Il faut essayer de travailler les lignes défensives. On rééquilibre le nombre de fautes. On était passé à 5-0, maintenant on est à 3. Il faut noter quand même la vitesse qu'a amené Bristol là, sur l'action. Super l'action du deuxième centre, le numéro 13 qui a pris l'intervalle. Et... C'est O'Connor le numéro. Number 13. C'est bien, en plus allez, on est anglais. Donc, Allez, à 10 mètres de la ligne d'un but de Castres. Attention de ne pas fléchir là sur cette première attaque anglaise. Girondeau qui a essayé de piquer le ballon sans toucher au sauteur. Un ballon porté qui s'organise. Attention, il faut avoir très bien organisé. Girondeau qui est venu essayer de coffrer le ballon, le porteur du ballon qui a été mis au sol. Ça va s'organiser pour essayer d'écarter ce ballon côté anglais. Les blancs que vous avez à l'écran. La défense du Castres Olympique qui monte assez rapidement pour faire perdre du terrain à cette équipe anglaise. En avant. Le ballon a été perdu, mais il est redonné au CO. Donc alors là, toujours 3-0 hein, pour le Castres Olympique. Là, on a pourtant le CO a bien fait une bonne entame. Ils étaient dans le camp des Anglais là, de Bristol. Et là, sur l'action, c'est le deuxième ligne, Muldray, qui avait donc la balle en main et qui, malheureusement, sur une petite faute, a fait un en avant. On récupère donc la balle et une mêlée sur le 10 mètres. Muldray. Oui, comme vous voulez. Donc Muldonay, tant que justement on en parle de ce joueur, il est passé par le FC Grenoble hein, de 2016 à 2018 ce joueur.
Ah, et la préparation là aussi, bravo. Il connaît un petit peu j'ai reconnu le monde français. Voilà. Sauf que monsieur Blasco arbitre en anglais. Voilà, on accueille et il a dit on va être simplement jusqu'au bout et on va arbitrer en anglais. Bon. Ben, c'est super, c'est bien. Le Castres Olympique a l'habitude d'être arbitré. C'est bien, ça fait une préparation. Hein. Allez, Cambezo. Pour qui a le ballon qui est pris par ce numéro 13. Rory qui redonne à Toulouse. Toulouse qui avance, qui essaie de perforer. On sort des 22. Rory qui a une volonté de faire jouer rapidement. Fortunel pour rallier. Superbe. Là, on est un petit peu à plat. On est sorti. Allez, de on s'organise. Allez, pour Fortunel. Eberson. Dumora qui donne sur un pas pour Palice. Superbe qui redonne à Eberson. Qui essaie de se faufiler. Ouh, il est repris par deux joueurs. On avance. Ah, on et voilà, le soutien qui part de là à nouveau. Et trop d'envie, tu l'envies, comme on dit. Il faut garder ses. On ne supporte pas le poids de son corps, comme on dit dans le jargon arbitral. Et on va au-delà et on vient plonger dans le ruck. Donc, deux fois qu'on se fait pénaliser sur ça, je pense qu'il va falloir régler la mire. Les Anglais, même en infériorité et menés au score, décident encore de prendre la touche. Après, c'est le Castres Olympique aussi qui a une volonté de jouer à la main et non pas de se dégager, étant donné qu'il joue contre le vent. Donc, c'est vrai que même en infériorité numérique, là, en l'état actuel des choses... En 10 minutes, là, tu rééquilibres. On était à 5 fautes pour Bristol et 0 au début. On est à 4-5 maintenant. 4 fautes Castres Olympique, 5 fautes Bristol, toujours 3. Allez, on les attend. Allez, Bristol qui fait ce molle porté. Un molle qui s'est formé. Girondo qui essaye de venir coffrer le porteur du ballon. C'est bien contré quand même, mais à mon avis... Ça risque d'aller. Il va falloir qu'il revienne se réaxer. On réaxe. Allez, qui a le ballon et ça s'arrête. Bien joué, La défense Castres, là, sur le coup. On n'arrive pas à voir d'ici qui a mis la balle. Allez, éclaire-nous, Alexis, là, sur la phase de jeu. Sur le fait qu'ils aient récupéré le ballon. Là, c'est un mollet improductif qui est à l'initiative de Bristol. Et le ballon va au sol. C'est très, très bien défendu. Le Castres Olympique a bien défendu ce molle sans se mettre à la faute, sans écrouler le ballon. Et donc, voilà, on se rendra une mêlée au bleu du CO. C'est bien hein, parce que généralement sur les matchs comme ça, on essaye de répéter les gammes offensives, mais c'est bien aussi que défensivement on soit bien en place, qu'on arrive à récupérer des ballons si près de notre ligne d'un but. Sylvie Latou a fait beaucoup de bien hein, à ce niveau-là, au niveau de la défense. Oui, effectivement. Donc, depuis 2-3 ans, malgré tout, notre ailier qui était venu de Clermont, de Clermont, en provenance de Clermont, Sylvie Latou, qui est membre du staff. Qui avait fini sa carrière sur un doublé face à Toulon, à Pierre-Antoine. Et voilà, donc on se retrouve donc, on est sur nos 5 mètres, et donc c'est une mêlée, introduction Rory Cocotte. Ouais, je pense qu'on va peut-être essayer de se donner un peu d'air, ou peut-être essayer d'avoir une volonté de jouer à la main comme tout à l'heure. Allez, c'est parti, Rory. Faut se dégager ou jouer? Alors moi je pense qu'ils vont jouer. Non, je pense que là il va pas tenter. On va essayer d'ouvrir, exactement. Impossible de personne. Impossible de pas casser. C'est parti pour Dumora. Dumora, allez. Qu'il y a un joueur pour Armand Bail. Allez, c'est parti. Allez, il sort les cages. Super. Et bien en fait, c'est Juju Dumora qui lui était parti directement et qui en a oublié le ballon. Thomas Fortunel qui gratuitement vient se matcher le ballon. Et malheureusement pour nous. Offre une pénalité à Bristol une nouvelle fois, c'est une petite faute bête. Attends, c'est bizarre, Rory qui s'énerve, bizarre. Non, ouais, c'est bizarre, il parle à l'arbitre de touche. Hein, Monsieur Coulon. Peut-être qu'en anglais il parle un peu plus fort que quand il parle en français, c'est tout. Allez, donc, coup, Rory, ça sert à rien. On va pas chercher les points malgré l'appui du vent. On va aller chercher la touche pour venir dans les 22 mètres, pratiquement à. Ça sera la water break. 15 mètres de la ligne d'un but Castres. Water break, donc oui, c'est. Ils ont bien demandé un water break malgré le froid. Exactement, ils ont demandé à avoir une petite pause fraîcheur. Ah la conne, ça tombe. Nous en sommes à la 20ème minute. Ils veulent avoir la pause. Ah, c'est une pause fraîcheur pour nous aussi. Et oui, tout le monde est étonné, mais les Anglais ont demandé la pause tout à l'heure. Encore une anecdote, j'étais dans le vestiaire de l'arbitre quand ça a été demandé. Et les Anglais ont demandé, et c'était pas Ricciardo qui était aux commandes. Il est arrivé après, il a dit mais on fait une pause fraîcheur, il était pas. Alors là, Julien, tu m'épates.
ça. Oh là, tu m'épates. Ah oui, oui. Tu m'épates. Mais... Et tu sais ce que t'aurais dû faire même peut-être. Le remettre à zéro. Ouais, non, pas le remettre à zéro, mais laisser courir pour rattraper les 3 minutes qui te manquent. Ouais, mais à savoir que si, avec la chance que j'ai, ils auraient pu rester 6 minutes ouais, encore au milieu de la pelouse. Le water break, quand même, c'est quoi? C'est 5 minutes généralement. C'est pas non plus. Ça dépend parce que moi, des fois, je fais des water break qui durent un peu plus longtemps. Ouais, bon, après, ça dépend comment tu break quoi. Non, mais je bois quand même de l'eau. Attention. Vous avez devant moi une bouteille cristalline, oui, alors qu'il y a mon rouge qui est juste à côté. Et moi, j'ai su à Evian. Voilà. Ah, voilà. On a donné les trois. On n'est pas amendable. C'est bon. On vient de sauver la tête du président. Alors, j'ai les stats, messieurs. J'ai les stats. Ah, Mika. On a Mika Ben qui nous a fait les stats. Donc, on a eu 23 plaquages du côté de Bristol, dont 3 manqués. Bravo. Oui, mais 3 plaquages 23 plaquages réussis et 3 manqués. Et du côté de Castres, on a 11 plaquages et 3 manqués. C'est bien ça? Eh ben. On me dit oui dans l'oreillette. On peut. Merci beaucoup, Mickaël. Bravo. Bravo. Ça ne sera pas forcément le cas tous les matchs. J'espère qu'il n'aime pas l'argent s'il veut bosser à Radio Olympique TV parce qu'on n'en a pas. Ouais. Attention, il aime la bière. Par contre, il aime la bière, du coup. Ah, là moyennement finance pour la bière. À moins qu'on ait un sponsor, VNB. Ouais. Ah, mais mince, on a un sponsor. Attention, VNB, je vois qu'on s'est même mis au poker, il a mis all-in, il a jeté ses derniers jetons. Oui, parce qu'ici, il faut le savoir, à la con, on a des jetons. Hein, donc, peut-être le casino. Allez, l'issue de ce water break, c'est reparti avec une offensive anglaise. On essaye de mettre à mal cette défense castraise. Et on recule. 5 mètres de la ligne. On fait vivre ce ballon. Oh là là, et on va craquer. On va craquer. Et c'est pour Bristol. Et c'est pour Bristol du numéro 7, Thomas. Thomas, de son prénom Dan, parce qu'il y en a quand même pas mal des Thomas dans l'effectif. Il y a toute la famille. De Bristol. Donc. Ça, connaissant les Anglais, c'était un piège en fait. Ils ont fait exprès de demander le break, the water break, pour nous enfoncer derrière. On est resté un petit peu en pause, c'est, nous. C'est peut-être ça. Hein. Un peu endormi là, sur la reprise. On n'était pas vraiment sur notre défense. Ça s'est organisé quand même. Hein. Exactement. On s'est organisé correctement côté Bristol. Et ce troisième ligne, elle est quand même très très intéressant. Depuis tout à l'heure, on le voit, que ce soit en touche ou sur les ballons portés. Il vient en soutien de son équipe. Ouais. Et tout ça en infériorité numérique, soit dit en passant. Hein. Voilà, donc on joue la 21e minute et Bristol mène donc 7-3 face au Castres Olympique. C'est très bien joué, très très bien joué à l'issue de cette touche de Bristol. Et du coup, le Castres Olympique qui craque pour la première fois. Allez les bleus. Mauricio qui, de son joli pied, envoie le ballon à Monsieur Fortunel, notre numéro 10. Il aura tout fait, Mauricio. Mais... notre beau numéro 10, attention. Allez, super le touche, récupéré par Alex Toulou, elle est derrière. Allez, on la récupère. Rory Cocotte qui donne pour Patin. Il avance, il est sur ses appuis, super pour Rory qui donne de suite. On libère, on ouvre sur le grand côté. C'est Baptiste Delaporte qui a le ballon en main, qui est pris par deux défenseurs. Hein, exactement. Hop, attention, c'est récupéré par les joueurs de Bristol qui vont tenter une contre-attaque. Ah oui, attention là. À la course. Allez Geoffrey. Voilà, c'est très très bien, très très belle défense de Geoffrey Palis. D'où l'importance peut-être aussi de mettre Geoffrey Palis en position d'ailier aussi, hein, pour couvrir aussi un peu plus notre arrière-garde Castres aujourd'hui, hein, puisque on évolue avec donc c'est Julien Dumora qui est derrière. Julien Dumora qui est en 15 et Geoffrey Palis. Joue vite, ça joue. C'est superbe ça. Thomas Fortunel qui a tenté mais sans soutien. Geoffrey Palis aussi notre arrière aussi. Allez, Eberson qui donne de suite. Armand Maille aussi qui peut jouer arrière, qui est dans l'effectif aujourd'hui. Allez, Marc-Antoine Rallier qui donne. Superbe. Opa, allez, Antoine Tichit qui progresse. Fortunel qui plonge pour Rory Cocotte qui donne à Julien Dumora. Dans la ligne de 3/4, on continue à avancer, on progresse. C'est Geoffrey Palis en 1 contre 1. Et qui passe. Il est repris juste. On est bientôt sur la ligne des 50. Sanson qui donne à Antoine Tichit. On continue de progresser. On se met pas la faute côté anglais pour le moment. Mais Cocotte qui le dit à l'arbitre. Fortunel. On le connaît aussi pour pas mal parler à l'arbitre. Allez, bien joué. Rallier qui va donner. Qui prend les cannes. Allez, c'est superbe pour Armand Bail. Allez, Armand Bail qui conserve le ballon pour le moment. C'est Camille Girondeau qui l'a. Dans l'air de jeu. Nous sommes rentrés dans les 22 pour Rodrigo Capo Ortega qui tombe à la percussion. Ou le déblayage de Rory.
Sanson qui amène au sol. Attention pour Alex Toulou. Rory se replace. Fortunel. Wilfried qui a pris un petit peu le ballon derrière. Un peu compliqué pour aller au sol, mais il a réussi à le conserver. Allez, Alex Toulou, on continue. On est dans les 22. Oh, superbe passe pour Kimura. Il est à fond. Il est bien. Se proposer. Ah, oh là 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 là, qui s'est monté. Interception de Bristol. Mais c'est bien joué. C'est bien joué côté Bristol. Et du coup, ça permet. Et Camille Girondeau qui se met à la faute. Et en plus. Ah, ça joue vite. Hein. Attention. On a ouvert la porte en voulant coulisser sur le. En voulant coulisser sur l'arrière. En un contre un, c'est parti. Il redresse. Oh, le 2 contre 1 entre les perches pour. Donc c'est Protero. Protero, le numéro 15, Max Protero. 15 try. Ouais, the 15 try. Et on regarde à la base encore une fois une action perdue alors que nous avions la main sur le ballon. Une contre-attaque très très rapide. Ouais. Girondeau se met à la faute sur le numéro 9 dans les 22 de Bristol. Et malheureusement c'est Berson qui a voulu essayer de combler la brèche et qui l'a malheureusement créé. Il a coulissé mais il a ouvert la porte. Il a malheureusement créé une porte et du coup ben, Bristol s'y est engouffré. On n'est pas trop de 3. Ouais, Bristol du coup qui alourdit le score malgré l'infériorité numérique. Exactement, c'est ce qu'il faut souligner aussi. Hein. Il faut souligner autre chose, c'est quand même que le CO joue contre le vent. Et quand on voit les drapeaux devant du Tarn, le département, je peux vous dire que ça souffle très fort. Ça souffle. Donc, les suites sont de rigueur, mais je vous dis, c'est pas du luxe. Hein. On n'est pas loin de la doudoune. Donc il va falloir, je pense, côté Castré, limiter la casse en première période, parce que sinon, ça va être compliqué de remonter en seconde, même si contre le vent. Alors attention, je vois que Mauricio a appelé deux joueurs. Il y a Inkinsi qui se dirige vers le banc. Ouais, peut-être. Avec Jérémy Fernandez derrière qui suit. Bien rattrapé. Allez ballon pour Fortunel. Qui donne Emerson, à Emerson. Peut-être vouloir se rattraper. Oui, il est peut-être pris un peu, exactement. Rory. Allez, là, par contre, on est en infériorité. Il faut se replacer pour ouvrir. Allez, pour Toulou. Avec un joli appui là pour. Ouais, comme d'habitude, il est pris par deux joueurs, pas lancé, c'est compliqué. Sanson qui récupère, qui va au sol. Rory Cocotte qui fait une feinte. Ouh, il est pris par deux joueurs. Encore une fois, il est pris aux oreilles. Je pense que. Allez, Camille Girondeau. Qui va au sol. On ouvre Rory Cocotte pour Toulou. Allez, superbe. Comme une schistera dans le dos. Allez, on continue là-bas. De l'autre côté du terrain. Ça coulisse bien. La défense de Bristol. Oh, Rory qui donne bien à Marc-Antoine Rallier qui va au contact directement. Nous sommes dans les 22 des joueurs de Bristol. Rory qui va ouvrir. Oh, en avant. Oh, le petit en avant. Ça a été vu par Monsieur Blasco. C'est Baptiste de la Porte, je crois. Eh oui, exactement, notre capitaine du jour. Ouais, le capitaine, Néo, capitaine, puisque Mauricio l'a dit. Ça sera pour la saison Mathieu Babillot en capitaine et en vice-capitaine. Donc le capitaine actuel aujourd'hui. Notre Baptiste de la Porte, le numéro 6. Aujourd'hui. Et donc on a Claire Dorian et Nkissi, un de ceux qui se préparent à rentrer du côté du Castres Olympique. Donc c'est pour la deuxième ligne. Ah, je vois pas mal de commentaires en direct. Là, ça me fait plaisir. On voit qu'on a un public de connaisseurs. Hein, pas mal de plaquages ratés, effectivement. Hein, et du coup, qui met à mal et qui amène les essais. Malgré une bonne entame du Castres Olympique au tout début. Oui, une bonne entame, mais sur des fulgurances de. Et là, on le voit, même sur la mêlée, on a perdu ce qu'on faisait sur les premières. Là, on se retrouve. Exactement. Je pense qu'on est en train de sortir du match et qu'il va falloir vite procéder à quelques changements pour remettre un petit peu la tête à l'endroit. Ça arrive, c'est pas dramatique. Mais... On laisse Mauricio s'en occuper. Et puis, bon, on les voit, il y a trois joueurs qui sont en attente là, de pouvoir rentrer sur la pelouse.
On a Claire. C'est Dorian Claire, voilà. Ouais, c'est ça. Et Hans Nkinsi. Et je vois, il y a un petit qui est juste devant, mais qui porte le numéro 14. Et ça, ça nous aide pas. Parce que sur la feuille de match. Numéro 14. Alors, je me demande si c'est pas Clavière. Il y a du changement. C'est le petit Clavière, c'est de, ouais, le demi de mêlée qui est arrivé. Ah, mais qui va occuper le poste d'arrière, du coup. Donc c'est Rodrigo qui sort pour Nkinsi. Ouais, on va remettre Geoffrey Palis repasse en 15, hein. On a fait sortir Dumora. Et c'est Alex Toulou qui sort pour Dorian Clair. Ouais. Et Rodrigo Caportega, ouais, tu... Ouais, donc du coup c'est Palis, ouais, qui repasse à l'arrière. Ouais, repasse à... On est pas quelle attaque rapide. Il va falloir plaquer aux jambes là, messieurs. Allez, on y va. Ah, c'est venu gratter, non, c'est pas récompensé. Non. C'est dommage, c'est Geoffrey Palis qui avait fait une très belle montée. Thomas qui passe par le sol. Oh, Nkinsi qui est venu se... Il a tapé sur le ballon. Là, c'est pas le même geste que tout à l'heure. Ça sera certainement un carton jaune. Hein. On est à la 8e faute consécutive. Ouais, attention, parce qu'on a le drapeau tendu par... Et voilà, carton jaune à Monsieur Lasco. De touche. Eh oui. Carton jaune. Hein. Il y a 8 fautes pour Armand Bail. Il y a 8 fautes d'affilée du Castres Olympique au bout d'un moment. Ah oui, ça supplie côté Castres Olympique. Quand là, tu regardes le. Mais je le trouve un peu sévère à ce carton. Excuse-moi, non, parce que d'après moi, il fait pas le geste de plaquer. Après, en fait. Il a la main ouverte. La faute y est incontestable, mais c'est un peu sévère. Oui, le carton est tout à fait normal puisqu'on est quand même à 8 fautes consécutives pour le CO. Je le remets pas en cause, mais. Là. Je pense que dans l'intention, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Quoi. Voilà. Ce que je veux dire. Donc, du coup, on. Être chauvin un petit peu, mais. Du coup, on joue la 30e minute. Je suis désolé si c'est le cas, mais. Au niveau du score, on reste à 14-3. Et au niveau des stats, on est en train de repasser, nous, basculer du côté négatif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de fautes que du côté de Bristol. Ouais. Et on perd nos ballons en première main, on perd nos mêlées. On a 23 plaquages. Sur 23 plaquages, on a combien ? 8 manqués. Hein. Donc, ça, c'est 8 manqués, ça fait beaucoup. C'est complètement inversé. Hein. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand tu recules. Hein. Et je veux dire. Comment veux-tu quand... Effectivement, que c'est plus compliqué. Celle-là, c'est cadeau, maman. Si tu m'entends, c'est pas de ma faute. Hein. Allez, un lancer exactement. À venir pour. Pour Marco. Pour Marco. Allez, on se consulte. Rallié. Fidèle, hein, du club qui est présent au Castres Olympique depuis 2003, arrivé de Nantes. Il avait été champion de France deux fois avec les Réchelles. Hmm. Et deux fois avec les pros. Deux fois, oui, en 2013 et... 2018. Et en 2018. C'est allez, super, bon. On progresse. On a formé un Mola, par contre on va au sol. Oh, ils avaient la main sur le ballon. C'est le numéro 6. Donc le porteur de ballon s'est fait coffrer, hein, Alexis, c'est ça? Exactement. No comment. No comment, ouais. Non, je suis pas tout à fait... Je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord non plus parce que j'ai vu, il arrive exactement. Je vais regarder sur la vidéo puisqu'on a un décalage et je vais vous dire. Parce qu'il me semble qu'il y a un joueur blanc qui écroule ce mot là. Voilà, on a j'ai le retour. Ça fait un petit moment quand même qu'on est dans nos 22 là. Il va falloir peut-être essayer de se donner un peu d'air. C'est très bien arbitré par Monsieur Blasco après la vidéo. En direct, c'était pas tout à fait pareil. Ouais. Clair, bien sur le côté, mais c'est le numéro 4 de Bristol qui vient coffrer ce ballon. C'est le seul qui tourne et lui, on a Sanson, le joueur. Sanson qui va au sol avec le ballon. Donc il n'y a pas du tout. Oui, très bien arbitré. On ne pas encore les ralentis, désolé. Oui, mais Jean-Marie qui nous écoute, voilà, qui nous chambre systématiquement avec ça. Donc coucou à toi, Jean-Marie. Allez, le ballon. Bras cassé, c'est ça? Bras cassé, il y a tout qui est en train de se casser avec ce petit vent là. Je peux vous le dire qu'en tribune de presse, hein, on en parle du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, en tout cas, c'est pas chez nous. On avance dans l'horaire quand même. Hein. On avait un peu plus de soleil pour le match précédent. Bon, il y a toujours autant de verdure, hein, pour ceux qui s'interrogent. C'est vrai. Hein. On n'est pas trop mal. Puisque ce matin, il a plu un petit peu sur la cône. Et du coup, ben, on voit que le vert de la pelouse est superbe. Hein. Combien de millimètres il a fait, oui, c'est la question. Introduction par le demi de mêlée. Randall. Ah là, c'est bien joué ça. Ah, bien joué, mais Girondo bien, il a bien coulissé là en défense. Rory, allez bien. Ouh là là. Ça découpe, Antoine Tichit qui a essayé de mettre les mains sur le ballon, mais ce ballon qui vient encore pour Bristol.
À l'Impact quand même on y est, hein, mais on y est exactement. Eux aussi, on recule. Mais eux aussi quand même. Allez, super, Wilfried. Ah, oui, Wilfried, il est amené au sol. Non, c'est loupé, c'est dommage. Ça joue, hein, ça joue, hein, c'est un truc de fou. C'est bien. Là, ça va être. Ah, de la porte, là, il va. Voilà. Il n'est pas récompensé, est alors récompensé, que quand même, il était propre au grattage au début. On est toujours en initiative de jeu. Là, le précédent, le premier marqueur d'essai. Là, Girondo peut-être, hein. Non, toujours pas. Se porter. Eh bien, il aurait son passe. On vient se mettre à la faute côté Bristol. Le numéro 9, le là, Randall de Bristol, le côté. Il donne du rythme. Hein. Puisque le soutien, que ce soit le soutien ou que ce soit la défense, on doit venir par l'axe, hein, Alexis. Oui, on nous dit que aussi, d'après les stats, l'entrée des deux. Oh, la touche qui n'est pas trouvée, qui est redonnée dans la main de l'ailier de Pingus. On a voulu essayer d'être gourmand et le vent en a décidé autrement. Pour Pingus. Ah oui, Rory Cocotte qui a mis les mains sur le ballon, il a récupéré superbe le ballon. Superbe Rory. Allez. Superbe. Oh, là en avant, Nkinsi. Mais si on peut pas aller le ramasser si bas, mettez un coup de tatane dedans. Ah, on a perdu Julien. Alors là, par contre, on a un grattage de Rory. Mais pour, est-ce qu'on n'aurait pas pu le récompenser par une pénalité parce que c'était pas lâché au départ? Comment? Et revenir à une pénalité. Oui, il n'avait pas fait la gestuelle en tout cas. Oui, non, non, il a l'avantage. Il a dit jouer le mais. C'est ça qui est. C'est dommage. On aurait peut-être pu revenir à une pénalité, mais. Parce qu'au départ, il lâche pas le joueur anglais au sol. Allez, c'est pas grave, on se remet en position. 14-3, toujours en faveur des British. Et nous jouons la 35e minute. 35e minute de jeu. Allez, on va falloir se remettre un petit peu la tête à l'endroit là, parce que pas mal d'approximations qui fait qu'on ne sort pas de cette pression là. On est dans notre camp là depuis pas mal de minutes. Et puis ça. Et ils arrivent à trouver de la vitesse, hein, c'est fou. Hein. Vitesse, super, Girondo qui a la main sur la balle. Hop, et on le voit. Oh, attention, insérie le plaquage, insérie. C'est rude, oui, on entend les, vous entendez peut-être pas, mais nous on entend bien les plocs à chaque fois. Ça s'y file et c'est comme il faut. Pour les ballons, hein, on reste au cœur du jeu. Ils ont compris sur un, voilà, sur un appui. Voilà. Allez, on va la récupérer. Rory qui la pousse à la main pour de la porte. Et allez, superbe, qui donne à Marc-Antoine Rallier. Peut-être ça vaudrait le coup de la jouer. Ouais, bien joué, Marco. Il y a faute, Marco. Marco par-dessus, qui va donner. Allez, c'est récupéré. Voilà. Par Comboujou, qui vient de donner. À Fortunel. Non. Fortuna, Clavière, peut-être. Voilà. Clavière qui était. Comboujou qui avance. Il a trois joueurs sur le dos. Ça continue. Super. Oui, peu de la porte. Allez, on avance. On continue. Ah, on sort on de notre va. Camp. Allez, Rory. Pour Fortunel. Bien joué. Comboujou. Super pour Eberson qui a cherché à libérer de suite. Allez, Geoffrey. Oui, superbe. Allez. Girondo, peut-être. Oh, il n'est pas au soutien, il s'est arrêté dans la course, Girondo. C'était compliqué pour Geoffrey. Allez, c'est pas. Allez, on y va, on monte les petits bleus. Allez, les bleus. Il faut plaquer beaucoup trop de plaquage raté, là, côté castré. Un petit en avant. Allez, on va se remettre, on a une mêlée. Hein, on va souffler un petit peu, voilà, on va se parler, on se dit les choses, on s'encourage. Bon, désolé hein, si mes commentaires de temps en temps s'échauffent, mais c'est le supporter castré que je suis. On se réchauffe en tout cas. Qui s'excite un petit peu, j'en suis désolé, mais bon. C'est comme ça, c'est le cœur qui parle. Même si j'essaye d'être le plus objectif possible dans mes commentaires. Oh, une dame s'est retournée, a dit les supporters s'excitent. Dis donc. Attention, hein, le moins 18, on l'a eu tout à l'heure avec le striker, mais on mettra un siège. Pas s'exciter, on mettra un siège en fond derrière. On se demande si ça n'a pas été calculé pour que Radio Olympique fasse le buzz. Ouais, voilà, ce mec qui passe ça. Tout nu ça sur un vélo. Pour qu'après, dans les highlights, on puisse le c'est vrai le que vu d'en haut, ça pouvait ressembler à Cyril Ricardo, mais de plus près. Non. On aurait vu le sac à dos devant. Il était affûté. J'ai pas vu le Air Sport. Sport Air, non? Ou Air Sport, non? Peut-être qu'il est là, en plus il est là je crois Cyril Ricardo. Allez. Attention à ce que vous dites. Hein. C'est parti, on va se mettre en position. Ah, le talonneur de Bristol qui réclame à Marc-Antoine Rallier de se rapprocher un peu, c'est assez drôle. Cocasse comme situation. C'est allez. C'est cocasse. Il y a d'autres streakers en vélo mais qui sont un peu plus habillés. Ils avancent pas trop non plus, ouais, c'est vrai. Allez.
Allez, ouais, ça fait deux fois que la première ligne se plaint un petit peu en fait des rentrées en mêlée. Donc il précise à l'arbitre qui. Après, bon, c'est les Anglais, ils aiment bien ça, hein, essayer de déstabiliser aussi en faisant en sorte de. On nous regarde de la Normandie. Quand, hein. Quand ils sentent que ça va pas être bon. Alors un petit bonjour Laurent. Ben écoute, j'espère qu'en Normandie il fait beau, hein. Allez, attention, introduction pour Rory Cocotte. Allez, c'est parti. Ouh, très belle poussée de Bristol. Oui, là. Très très belle. Mais bon, je vais me récupérer pour Eberson. Eberson qui a pris l'axe. Allez, qui accélère. Qui donne de suite à Kambezou. Kambezou qui continue à avancer. Ils sont deux sur lui. Rory Cocotte qui ouvre de suite. Allez, il y a le surnom. Allez, Clavière, attention. En un contre un, il a tenté de passer sur le côté. Bon, là, on est un peu loin de l'action. C'est Rory qui va revenir vers l'axe. Pour Girondeau qui donne à l'intérieur pour Tichit. Allez, Rory qui réouvre pour Fortinel. Rallié. Qui garde le ballon, qui va au sol. Il faut absolument marquer pour le Castres Olympique pour se remettre dans la. Allez, super, bon avance, on continue. Nkissi qui récupère la balle et qui avance. Attention à ne pas ramper. Allez, Rory. Non, il laisse aux avant. La responsabilité d'y aller. Allez, c'est maintenant, il faut aller marquer. Allez, là. On est prêt, on est à 2 mètres de la ligne. On est à 2 mètres. Allez, qu'on aille toucher la mousse, qu'on aille toucher la mousse au pied du poteau. Attention, attention. Genre, on ne voit pas d'ici, on va suivre le bras de l'arbitre parce qu'on ne voit pas beaucoup. Faudra-t-il écarter ce ballon. Anton Rallier qui se met sur l'aile là-bas à gauche. Ah, je pense qu'on va revenir sur le ballon, le ballon. Mêlée à 5 mètres. Voilà, à 5 mètres. Voilà. On va rendre le ballon au castré pour une mêlée à 5 mètres puisque il y avait un joueur en dessous du porteur de balle. On n'a pas vu qui c'était, hein, qui rentrait en but, mais il y avait quelqu'un en dessous. Donc le ballon n'a pas pu être aplati. Et retour du carton jaune, le numéro 14 de Castres, Armand Bay. Et on revient 15 contre 15 avec ce retour de carton jaune. On a combien là au niveau des stats des nouveaux démêlés, Michael? Bon, alors cette mêlée qui va être au pied des poteaux, plein centre. On va essayer de s'organiser. On met un petit peu des paquets de trois quarts des deux côtés. Trois joueurs d'un côté, trois joueurs de l'autre. Pour essayer. 14e mêlée du match, Alexandre. Ouais. 14e mêlée. Heureusement qu'il ne pleut pas. Oui. Et là, je pense que ça va pas, ça va sortir rapidement pour Rory. Et qu'on va aller tenter l'attaque côté ouvert là-bas. Puisqu'on Camille, peut regarder. Camille Girondeau là, qui est passé numéro 8. Là, sur, exactement. Puisque Dorian Cléry est passé à. Tout à l'heure, il doucement, ça commence à se chauffer. Antoine Tichit a pris une petite claque qu'il n'a pas appréciée. Je vous le disais tout à l'heure, hein, ça fait plusieurs mêlées que les Anglais viennent chatouiller un petit peu les castrés, alors que les entrées sont assez propres et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Je pense aussi que la dernière et notre dernier recul de 3 mètres sur la mêlée n'a pas fait plaisir à la première ligne du CO et donc il va falloir se remettre au charbon. Bientôt la mi-temps, the half-time pour nos Anglais. Half-time. Ouais, en tout cas, ça serait intelligent pour une fois qu'on fait ce vaquerin de ne pas prendre un carton rouge pour le début de la saison. Parce que chaque année, on est capable de s'en prendre un. Quoi. Ouais, on se rappelle d'une année. Alors, quand c'est pas les blessures, c'est les cartons rouges. Je dirais, Mika, la tradition, ça se respecte, mais ça serait bien que ce coup-ci... On l'a quand même la tradition, je sais plus où on en est, il y a trop d'anglais dans le coin, il y a trop d'anglais. C'est la pêche et la chasse. Et en fait, je voulais juste dire quand même que chaque année, je tenais quand même à tirer mon chapeau à la personne qui est sous le jambon de la cône et qui fait 18 tours en plein soleil, parce que franchement, c'est un gros métier. Là, pour le coup, aujourd'hui... Tout à l'heure, ça frappait, hein. Tout à l'heure, ça frappait. Ouais, mais ils mettent des enfants dessous, donc bon... Allez, le chrono indique bientôt 40 minutes, 40... Oui, c'est vrai que oui, un hommage. Après, en hommage à Vaquerin, ouais, une petite générale, ça passe par là. Ouais. Allez, il faut marquer là. Parce allez. Que le CO qui est mené 14 à 3, toujours. Allez, de ce introduction, match. Rory Cocotte pour cette mêlée. Trois joueurs du Castres Olympique de chaque côté. Allez, il faut pousser avec eux. Allez, superbe. Allez, 89, super. Et personne qui reste sur ses appuis. 89, même si le numéro est pas dans le dos. Mais c'est le poste qui va. On s'est trompé. C'était 79 pour celui-là. Ouais, 79, voilà, 79. Allez, on y va. Allez, ça fait deux fois, il pousse sur la balle là. Allez, on y va, on continue. Avantage. Allez, c'est parfait. On réouvre. Qu'est-ce que va faire Rory? Il met la main sur la balle. On l'a pris. Et c'est laissé. Non, c'est toujours l'avantage.
Essai. Oui. Et voilà. Essai pour le Castres Olympique. Eh bien, on l'a attendu longtemps celui-là, mais il est arrivé. Hein, monsieur. Ah, qui fait du bien avant la mi-temps. Ah, ça va faire du bien dans les têtes, hein. Franchement, là, donc, heureusement, de la porte, alors, il arrive à point nommé, là, cet essai, ça va faire du bien aux têtes. Même si la défense a été féroce, hein. Vraiment, la défense a été féroce côté Bristol. Il fallait le mettre celui-là. Alors, en fait, moi, j'attendais le speaker pour qu'il nous donne le nom du but de celui qui a inscrit l'essai. Ouais. Et malheureusement, il ne l'a pas vu non plus. Mais je sais pas. Je dirais bien Girondeau, moi. Et c'est Baptiste Delaporte, il l'a dit aussi. C'est Baptiste Delaporte. Oui, oui. Bon. C'est notre capitaine du jour, hein, qui a remis son équipe dans le droit chemin, je pense. Super. Donc, nous sommes héroïques qui passent. Donc, nous revenons à 14 à 10. C'est la mi-temps. 14 à 10, donc, en faveur de Bristol. Half time. See you later for... Alors, restez avec nous, la mi-temps va être très courte, à 10 minutes. Hein. 10 minutes de mi-temps, donc ça va aller très très vite. Allez, on se quitte et on revient pour ce superbe match en direct. A de suite. Allez, on revient en direct pour la reprise de cette deuxième mi-temps entre le Castres Olympique et Bristol Bears. Alors, avant que ça reprenne, je vais en profiter déjà pour vous remercier les abonnés d'être nombreux pour nous avoir suivis depuis la semaine dernière. Et je tiens surtout à remercier déjà les responsables du Challenge Vacrin qui nous permettent de vous proposer ces matchs en direct et gratuitement concernant le Castres Olympique et aussi Albi cette année. Je vous remercie aussi les abonnés parce qu'on a fait un sondage la semaine dernière où on vous a demandé votre avis sur notre système de diffusion. Alors malgré nos peu de moyens, vous êtes quand même satisfait à plus de 80% puisque vous avez été presque 400 personnes à répondre. Seulement 60 ont été mécontents, donc je regrette, mais c'est comme ça. On fait de notre mieux. J'en profite. Une petite coupure là, mais c'est pas de notre faute, c'est la 4G qui est en train d'exploser apparemment. J'espère que ça va pas revenir. Alors on reprend. Si, n'hésitez pas à rafraîchir la page si refresh, hein, refresh the page pour continuer à suivre cette rencontre puisque la 4G est un peu limite. On en profite pour embrasser Léa qui est en train de nous suivre directement sur Radio Olympique. Du coup, messieurs, j'étais en train de vous parler des stats, parce qu'on a les stats. Les plaquages manqués, côté Castres Olympique, 25% de plaquages manqués. Et côté Bristol, on est à 13%. Au niveau du franchissement, on a 8 fois de franchissement pour le CO. Et les Anglais n'ont franchi que 4 fois. Mais ils sont quand même encore devant. Donc, en fait, ils ont un meilleur ratio que nous, parce qu'ils ont franchi 4 fois en marquant 2 essais. Voilà, et nous, on franchit 8 fois, mais ça paye pas. Voilà. Allez, ça va s'arranger en deuxième. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais, j'espère qu'on aura quelque chose de sympathique en seconde période. Et déjà, au niveau de l'effectif, on fait pas mal de changements, si ce n'est peut-être la totalité de l'effectif. On peut voir... Karen Aouangui, Florian Vallet, Florian Vialel, Kevin Gemino, Jeanne Anthony Gelon. On peut voir un clavier qui est resté. Je te laisse pour Ludovic Rado.
Rado, ouais, effectivement. Alors, qui va jouer en 10? Est-ce que ça va être peut-être... Moi, je pense que ça va être Rado, du coup, peut-être. Et puis, en 9, on va se retrouver avec le jeune Javier ou alors Jérémy. Peut-être Fernandez, voilà, c'est ça. En 9. Oui, parce que... À voir. Allez, pour nous aussi, c'est... On se remet en selle. Attention, engagement pour les joueurs de Bristol. Très très long qui est bien récupéré. Ouh. Et le ballon qui reste dans l'air de jeu, qui est entre les jambes. Eh oui, pénalité. Ils vont. Alors, monsieur l'arbitre, sur cette action, ils ont été au-delà. Il a fait un signe comme ça. Je vous le montre, en fait, je joins mes deux mains. Alors, il y a une phase de ruck. C'est et ça. Donc on ne doit plus mettre les mains et ils sont passés sur le côté. Il y a deux fautes, hein, face de ruck, on vient gratter et on passe sur le côté. Merci beaucoup. Même si j'ai pas vu l'action, d'après ce que je vois des gestes de monsieur Vincent Blaskovaquet, l'arbitre de cette rencontre. Il y a et bien... donc touche pour Jody Jenecker sur la ligne des 50 face à nous. Oh, l'alignement n'est pas très droit de nos amis British. Ah, ils jouent sur toutes les tout ce qu'ils peuvent. Allez, Jody Jenecker. Oh. Je le dis à l'anglais un peu. Ouais, Jody Jenecker qui nous a mentionné tout à l'heure. C'est sympa que aussi les joueurs apprécient le travail que l'on effectue. Allez, superbe récupération de Kevin Gemino qui donne pour Florian Viallet. Oh, qui a failli percer mais qui est repris. Il donne donc, ouais, donc c'est en neuf, Rado, hein. Rado en 9, exactement. En neuf. Allez, on continue pour Mathieu Babillot qui est pris de suite. C'est Tatre qui va être Tatre qui va être en position de demi d'ouverture. Karen Awongi qui a le ballon. Il avance, il est amené au sol directement. Allez, Tatre qui a le ballon. Qui donne pour Florian Viallet. Une sautée. 11. Ouais, mais c'est pas les mêmes numéros, je pense. Hein, numéro 11. Hein. Ouais, je pense à Tarin. Allez, ouais. Rado qui ouvre. Oh, deuxième en avant pour Nkinsi. Attention, ballon de récupération pour les Anglais. Avec un bras tendu, hein, par monsieur l'arbitre, attention. Ouh là là, il a fait un travers terrain, mais il a réussi à prendre de la vitesse. Benjamin qui essaye de mettre les mêmes, mais il n'y arrive pas. Ouh, c'est dur à l'impact, hein, c'est très très dur à l'impact. Hein. Défensive du CO. De Beneditis. C'est un jeune joueur aussi qui arrive de Grenoble. Ouais. En espoir. Ah, superbe. Et oui, c'est un en avant. Petite faute de main. Terminé côté Bristol. Exactement. Il faudra une mêlée. Ah, on va écouter les entrants. Deuxième ligne, et 14 à 10, hein, messieurs, toujours pour le score, hein, c'est ça. Exactement, 14 à 10, deuxième période. Kevin Gimeno, 8, Anthony Jeune. Ouais, ça fait deux fois que je loupe le chronomètre, donc on est reparti avec 4 minutes de retard. C'est pas grave, tu rajoutes 4. Voilà. Plus 4, ça te fait faire du calcul bien. Mental, ça va bien. Toujours. Et Benjamin Lambert, et au centre, Lucas Tarin, Florian Fadel. On a quand même une belle première ligne là avec Jenecker et Wiyongi et à côté le jeune là. Ouais, c'est assez jeune, mais c'est bien qu'il y ait deux jeunes à droite, deux jeunes jeune voilà, deux joueurs d'expérience qui puissent l'encadrer. Je pense que exact. Pour une rentrée, ça met en confiance quand même. Hein. Ouais, ouais. Allez, Rado, allez. À la manœuvre pour cette introduction. Rado pour la première ou première. C'est la deuxième, c'est la deuxième. La deuxième, deuxième. Ouais, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Non, précis, voilà, vous tout. Reconnaissez. Non, mais les arbitres sont précis. Donc, on est précis jusqu'au bout. Ils sont précis, oui. Deuxième mêlée, on s'en voit moins boulé qu'en début de retransmission. Déjà, c'est pas mal. Donc là, c'est la deuxième ou c'est la troisième là. Parce que là, du coup, elle se rejoue celle-là. Ah, alors. Si elle se rejoue, ça reste alors. La même ou pas? Toujours la même. C'est la même, c'est la même. On considère. Ah oui, puisqu'elle n'a pas été jouée. Elle n'a pas été introduite. Et pas de romo, s'il vous plaît. Sinon, t'es obligé d'en dire trois. Le ballon n'a pas été introduit. Allez, introduction pour Rado. Nkinsi can fly. C'est pas mal, j'aime bien. Là, attention, le numéro 9 là de Bristol. Allez, c'est ouvert. Ça va au sol. Florian Viallet là, qui a des fourmis dans les jambes. Allez,
Oh, oh, Geoffrey Palisse, qui récupère en bout de... Non. En fait, il a... Exactement. Si, c'est Palisse. Ah si, Palisse est le seul de la première mi-temps qui est resté sur le terrain. Ouais, le numéro 11 que vous avez à l'image. Exactement. Effectivement. Julien, bien vu. Clavière aussi qui est resté sur le... Oui, qui était rentré. Dans l'air de jeu, puisqu'il était rentré. Nkinti également, puisqu'il était rentré en première période. Je voulais dire, voilà, quand on effectif, c'est celui qui a passé le plus de temps sur le terrain. Ouais, effectivement. Et du coup, il avait débuté à l'aile et non pas en 15, après réajustement de Mauricio Reggiardo. Troisième mêlée, messieurs. Troisième mêlée. C'est bien. De cette seconde période, attention. Il a son fil conducteur de la soirée, il va compter les mêlées. On m'avait demandé de faire les stats pendant que notre... Mais c'est bien, hein, franchement, c'est bien de le mettre à contribution. Bon, mais là, par contre, il est allé chercher des bières, donc on n'a plus les stats. Non, on n'a pas les bières non plus. Allez, Babillo qui a croqué le numéro 9 de Bristol. Randall qui s'est fait croquer, mais qui a réussi à sortir ce ballon. Il est resté en planche. Hein. Ouais, il y a de ces impacts, je peux vous dire. Que ce numéro 19, c'est un sacré bébé. Hein. Ouais. Oh là 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 là, il doit bébé. Faire plus d'un mètre 95 la machine. Ouais. Oh, superbe, il a passé les bras, très très belle action. Moi, j'ai pu le voir la semaine dernière à Saint-Afrique pour le premier match, et franchement, solide. Hein. Avantage pour vraiment Bristol en avant. En avant des bleus là sur le placage, on reviendra à la quatrième mêlée de cette rencontre. D'ailleurs j'ai chambré Wilfried pour capillairement parlant et c'est compliqué d'arriver à les différencier de loin un petit peu. Avec Nkinsi. Surtout que quand t'as base Babilo qui s'y met aussi maintenant. Donc, et maintenant. En fait, on a le même problème en première ligne entre Wiyongi et Jenneker, du coup, mais c'est pas du tout sur une coupe afro. Hein. Ouais, c'est... Alors, Wiyongi est un peu plus massif que Jenneker quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est qu'on voit juste la tête de Jenneker dépasser ici. Ouais, c'est pas facile en c'est fait. Vrai. Hein. C'est vrai. C'est la Pro D2, ça fait prendre les poids. Ça. Mais en tout cas, on peut quand même, à 39 ans, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui restent professionnels. À mon avis, ça ne va pas trop bouger. Hein, c'est pour ça, peut-être qu'il est pas... Karina Wengi qui est attaché au Castres Olympique, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour ce club, arrivé en 2011. Champion en 2013. Hein, champion, mon frère. Hein. Randall qui va introduire ce ballon et qui n'introduit pas. C'est loupé, ça. Il n'introduit pas alors qu'il avait donné les consignes. C'est Rado qui est venu claquer un petit peu le dos de l'autre demi-mêlée pour... Mais il faut reconnaître que sur la pression, quand même, à partir du moment où l'introduction a été ordonnée par l'arbitre, il faut que le numéro 9 puisse introduire afin que... Oh, Kevin Gimeno qui vient se chatouiller un petit peu de l'autre côté. Je peux te dire qu'il y aurait des claques, mais c'est fou ça. On se réchauffe, hein, parce qu'il commence à faire frais. Donc par contre, le numéro 9, la Randall, il aurait mis une claque à cocotte. Ben, je suis pas sûr qu'il aurait été aussi serein que Rado. Ça aurait pas été la même histoire, là. Bon, pour revenir au match... On va avoir une introduction, Randall. S'il veut bien l'introduire, parce que ça fait deux fois qu'il ne veut pas, sur cette cinquième mêlée, de cette seconde période. Après, c'est un jeu hein, pour le numéro 9, là, de voir si c'est propice à son équipe ou pas. C'est la roublardise hein, du demi de mêlée en phase de mêlée. Alors, on est un peu bas, mais on est pas mal, ça ne bouge pas. Et là, ils introduisent pas, superbe reculade, voilà. Quelle mêlée du Castres Olympique. Oui, messieurs. Le cri de guerre de Mathieu Babillot, là. Oui, messieurs. Et là, il n'y a rien, quoi. On va se remettre à l'endroit. Superbe travail du groupe, du paquet d'avant, du Castres Olympique. Là, c'était massif. Hein. Vraiment, vraiment. Là, ils très, sont très partis massif. et d'une seule foulée. Ben ouais, mais t'as pas mis le manteau. Alors, notre ami Mickaël vient de revenir et on va le remercier quand même parce que il nous a ramené un petit breuvage de la cône. Non, mais attention, c'est un café, hein. Voilà, qu'on ne s'y méprenne pas. Arrête, on va devoir remettre le moins de 18. Ouais, c'est pas moi qui bois. Voilà, tu vois, et voilà, regarde, ça passe à la vidéo. Oh là là, quel artiste. Il faudrait faire une stat d'ailleurs, Mickaël, sur ça, s'il te plaît. C'est du café, ouais. Du café, ouais. Ça, c'est Je suis un joli gars et un menteur. Voilà. Exactement, ne me faites pas confiance. Enfin, voilà. Sauve-toi, chérie, sauve-toi. Oh là là, ça joue un peu à n'importe comment, là. Ça joue au volet depuis tout à l'heure. Allez, c'est dommage parce qu'après cette mêlée, on était revenu comme il le fallait. Allez, Bristol. La main sur le ballon, un petit peu. On est dans les 22 mètres. Arrête-toi.
Allez, il continue à jouer quand même. Bien, Carena qui amène au sol le pilier de Bristol qui avait récupéré le ballon. Ah, défensivement, on est un peu plus en place qu'en première période. Ouais, je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est là, sûr, et on coulisse super bien. Regarde le jeu de Mathieu Babillon, en fait, qui fait coulisser les jeux longs depuis tout à l'heure avec Nkinsi. Et tu vois, il se retrouve toujours et c'est lui qui vient en poste de gratteur. C'est très, très intelligent ce qu'il est en train de se passer. Mais allez, super, Bonny, encore une fois au grattage, et c'est dommage. On a lâché. Alors, on continue. Ouh, superbe plaquage qui a fait sauter le ballon. Ouh, Nkinsi qui s'est jeté. Alors là, je sais pas si c'est récupéré ou pas. Non, elle n'est pas récupérée. Oh, superbe. Superbe geste défensif d'Nkinsi quand même. Là, à mon avis, il s'est jeté, il s'est tout donné. Hein. Là, moi, je suis le Castres Olympique, je prends les 3 points. Oui. Je sais pas si ce que tu en penses. Mais moi, je prendrai la touche, tu vois. Parce qu'on n'est pas là pour être ici. Moi, la prochaine fois, je prendrai la doudoune surtout parce que. Ah, qu'est-ce qu'il m'a tu prends, ça sera plaisir là. Voilà, Mathieu Babillot qui prend les 3 points. Il a... justement. Allez, c'est très bien. Pour essayer de. N'oublions pas qu'on est en objectif de se mettre quand même dans une phase de travail pour la semaine prochaine. Encore une fois, on le répète, mais c'est très très important. Oui, parce qu'on Montpellier se profile. Montpellier. Exactement. Il faut se profiler sur un match comme ça. Il faut savoir les gagner aussi en prenant des points par 3. Et voilà, il faut savoir le faire. Et voilà, il n'y a pas de match amical hein, pour les Anglais. Pour nous non plus. En attendant la tentative qui va être effectuée par Benjamin Lapeyre, je vais vous donner quand même quelques petites anecdotes sur des joueurs qui sont passés par Bristol, notamment un certain Philippe Conte-Brumi, hein, je pense que ça doit parler à quelques-uns, le demi d'ouverture et des fois aussi centre qui est passé par le RC Toulon et le Stade Français. Qui a fait partie de l'effectif de Bristol. Et Benjamin Lapeyre qui la passe. C'est parti. La chevauchée. Ça fait 14-13. Du coup. 14. Un certain Simon Shaw aussi qui est passé par Attendez, Bristol. Attendez, parce qu'on a les Wikipédia. Andrew Sheridan aussi qui est passé par Toulon et qui est passé par Bristol. Nous, on est passé par Brassac, par Bio. Par... C'est pas ça ? Voilà. Ensuite, Yann Thomas, le numéro 17 donc de Bristol aussi, qui est passé par le Stade Rouennais. Le Stade Rouennais, allez, encore le club une fois. De Wilfried Hunkpaten. Ouh là 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 ! Anthony Gelon qui vient de laisser sa carte de visite aux secondes lignes anglais. On appelle ça un cul dans le jargon. Hein. Ouais. Donc voilà pour les petites anecdotes. Excusez-moi. Merci beaucoup en tout cas pour ces petits éclaircissements. Si non, mais il n'y a pas de problème. C'est très très bien. Un petit peu empiété sur le jeu. Donc le score, on répète, 14 à 13. Exact. Nous jouons la 13e minute. Pour Bristol. En deuxième période. Voilà. Combien de mêlées ? Attends, c'était toi les mêlées. Non, je déconne. Donc voilà. Donc pour revenir un petit peu sur le match, c'est vrai que la ligne défensive quand même fait beaucoup plus d'efforts. On sent que ça travaille, ça parle beaucoup. La communication, ça aide aussi sur ce genre de situation. On voit Mathieu Babillot qui est très très impliqué. Ah ben impliqué sans vouloir paraître prétentieux, hein, mais c'est le capitaine, donc c'est son rôle de venir. Et il le fait très très bien, il faut le souligner. Et il va. Ouh, il a failli récupérer cette balle en fond de touche. Je sais pas si elle était vraiment vraiment très droite. C'est quand même la troisième touche qui est pas très droite du côté de Bristol. C'est le banc qui l'a dévié au dernier moment. On peut être clément. Peut-être, peut-être aussi. Oui, effectivement, Alexis. Tu non, moi j'aime bien souligner des erreurs d'arbitrage, même quand tu en as pas. Ça c'est notre. Oh là là. La parole est des erreurs de plaquage. Et là, il faut le souligner. C'est vrai. Il y a deux plaquages loupés du côté castré qui ont donné un boulevard. Ouais, mais attention, hein, parce que. Oh, ils vont. Les revoilà qui s'approchent de l'embute. Attention, ils vont ouvrir. Ah, il y a beaucoup de profondeur. Oh là 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 là. Et oui, ça y va. Et oui. Et sur cette défense, on n'a pas coulissé au niveau des trois quarts. On a permis donc, on a voulu refermer. Je le vois pas d'ici, le numéro 11 qui a voulu revenir vers l'axe alors qu'il aurait dû s'écarter sur la ligne de touche. Florian Bialel qui est venu essayer de couper un petit peu la ligne de passe et très justement vu par le passeur qui allonge très 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 bien sa passe sur l'ailier et du coup occasion laissée pour Bristol. Et donc un score qui passe 19 à 13 pour Bristol en attendant la transformation de cet essai par le numéro 12
Harry, voilà, c'est bon. Harry pour les intimes. Alors maintenant, on va appeler les joueurs par leur prénom du côté anglais parce que ça devient vraiment compliqué en fait. Hein. On essaye le phonétique, mais... Alors tout à l'heure, on va le souligner, avec le vent, on a eu, pour le match précédent avec Albi, le numéro 10 qui a tapé extérieur en fait, ce très très beau coup de pied, excentré sur la ligne des 22 et qui a réussi à passer la transformation. Ouais. Il est exactement dans la même position pour l'instant, le numéro 12. Eh ouais, s'il veut dompter, s'il l'a vu la transformation tout à l'heure, effectivement, très justement de le dire, si même pour ceux qui ne l'ont pas suivi... le premier match, exactement la même configuration. Effectivement, Julien. Alors normalement, si tu tapes un petit peu à gauche du premier poteau, normalement le vent devrait faire le reste. Voilà. Si c'est ce que tu voulais dire. Exactement. Ah, une petite position à la Johnny Wilkinson. À la Johnny Wilkinson, c'est vrai. Et alors lui, il ouvre ça passe, poteau ça. Du milieu. Ça n'a pas trop bougé, hein, le vent ne l'a pas trop ramené. Non. Donc on passe à 21 points pour Bristol. 21. Bristol. Et nous jouons la 16e minute de la deuxième mi-temps. Très bien, un calcul mental super, Julien. Avec le dos dans le vent, donc il y a peut-être. Le dos dans le vent, ouais. Le vent dans le dos, c'est mieux. C'est pareil. Je croyais que tu trouvais que je calculais mieux, en fait, le vent dans le dos. Ouais. C'est pas mal déjà, aussi. Déjà qu'on parle français, que des fois... Mais c'est anglais, ils inversent, tu sais, les anglais. Et là, si t'arrives à inverser le français, c'est plutôt les anglais qui font du reverse. Allez, c'est parti. Petit coup de pied. Oh, récupéré par Kevin Gemino en pleine vitesse, qui est amené au sol. Allez, pour Jody Jenneker, qui donne pour Karina Wiongi. Ah oui, là, attention, hein. C'est solide. Hein. Rado qui donne à Dumora. Dumora pointe Kinsey. Benjamin Lapierre qui va venir au soutien. Super déblayage. Oh, il est passé à côté. Allez, on continue. On avance quand même. Super. Babillot qui a la balle en main. Il est récupéré par un joueur qui le repousse. On est dans les 40 mètres en fait de Bristol. Oui, sans jeu, l'arbitre ne l'a pas vu. Hein. Pas de bras tendu. Allez, Babs, c'est pour toi. Qui donne à Julien Dumora. Pour Karina Wiongi. Ouf, quel impact. Allez. Son nombre quand même à jouer là. Et allez, Florent Vallel qui la donne superbe. Passe entre les jambes acrobatiques de la part du numéro 22. C'est dur, hein. C'est dur pour Castres pour arriver à mettre à mal cette défense anglaise. Qui est bien en place. Hein. Après, quand même, on s'en est sorti sur un petit coup de passe-passe. Oh, là, en avant de Jody Jenneker. Ouais. Allez, pas mal de fautes de main. Bon, c'est. Alors, il y a un supporter anglais qui nous dit « Drinks your pints and stop talking so much ». Donc, ça veut dire, en fait, « shut up », quoi. Hein, ça veut dire ça, en fait. En gros, ça veut dire ça. C'est-à-dire, buvez vos bières et arrêtez de parler. En comment gros, il comprend le français, quoi. Non. Et en plus, comme il nous comprend, il le marque en anglais après. Et ça, c'est vraiment courageux. Moi, je sais. Moment dit à la tienne en anglais, là. Cheese. On va pas bouffer du fromage de suite, quand même. Fais-lui plaisir, God Save the Queen. Non, c'est pas ça. Allez, donc, introduction. Oui. Ah, de temps en temps, on a Gérard Chollet qui nous interpelle pour avoir le score. Alors, on lui donne gentiment parce qu'on n'a pas envie de le fâcher. Hein. Non, lui, non, on n'a pas envie de le fâcher. On n'a pas envie de le fâcher. Et s'il a bien quelque chose qu'il n'aime pas, c'est perdre le contrôle des Anglais. Il ne faudrait pas qu'il rentre sur le terrain. Florent qui dit la mèche de Jenneker l'a gêné là, sur l'action. Ah, vous voyez qu'il avait des problèmes capillaires. Voilà, c'est ça. Votre attention, s'il vous plaît, un jour de Castres. Le fait faire que son épouse a perdu son téléphone, un iPhone noir. J'ai eu peur. Ah. J'ai cru que sa femme avait perdu les os, tu vois. Donc. Merci de nous ramener au clubhouse. Ah, voilà. On a Anaïs Fortunel qui nous dit, c'est pour dire chin-chin, c'est cheers. Thank you, thank you. Pour l'anglais. Gros problème. Alors voilà, si vous voulez maintenant faire des publicités en français et en anglais, on fait aussi la traduction. Hein, donc, merci beaucoup en tout cas, Anaïs. Bon, revenons à nos moutons. Et en fait, on parle depuis tout à l'heure, mais vous avez vu, en fait, ça n'a pas bougé. Nous en sommes à la troisième tentative pour cette mêlée, qui est... Peut-être la huitième mêlée de cette seconde période. J'ai pu compter parce que là on ne les compte plus. Ça serait bien de remettre du rythme un peu. J'ai bien rectifié, Benjamin. C'est bien cheers et pas cheese.
Cheese, c'est le fromage. C'est ce que j'ai dit, il faudrait pas qu'on mange du fromage. Je sais que je comprends pas tout, mais... Allez. Donc, il recule sur cette nouvelle mêlée. Quelle poussée du Castres olympique, mais il la récupère quand même. Ils ont réussi à sortir le ballon. Alors, what's the score? Le score, toujours 21-13. Et nous jouons la 20e minute de cette deuxième mi-temps. Avantage, hein. Allez, on la récupère. Pardon, moi aussi je commence à... C'est mon sang bleu et blanc qui... Allez. Oh là 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 là, les transmissions en cette seconde période, c'est vraiment... Clavière, c'est ça ? C'est pas joli joli. Hein. Côté Castré, là, on a perdu tout. Il y a aussi beaucoup de changements, donc bon, c'est compliqué là, mais on perd le fil de ce match. Et on a la 9e, 10e mêlée. On se fait chambrer par les Anglais. Ouais, les Anglais qui chambrent sur la page, sur la page Facebook. Forcément, quand t'as un Anglais qui te demande une pause de fraîcheur alors qu'il fait 10 degrés. On vous explique. Alors soit ils avaient envie de boire, soit ils avaient envie de boire du café. Voilà, alors les Anglais, c'est quand même chez eux, dès qu'il fait 12 degrés, pour eux c'est la canicule. Donc du coup, ils ont été obligés de demander la pause fraîcheur. Quand nous, en fait, depuis tout à l'heure, on demande une pause réchauffement, ça ne marche pas. Et eux, on leur donne la pause fraîcheur, du coup. Donc, bah écoutez, so British. Ouais. Non, mais c'est... Ils ont demandé une pause de fraîcheur alors qu'il fait 10 degrés, comme au bout d'un moment. En plus, ils nous remettent. Si c'est pas pour casser le rythme, c'est pourquoi, quoi. Là, ils nous cassent le rythme du match depuis tout à l'heure et il n'y a pas photo. Attends. Et au moment où j'étais le plus en train. Allez, ça y est. Ça va, ça sérieusement. On va taper sur le système, cette histoire. Ça y est. Mais le CO, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu l'aimes ou tu le quittes. Écoute, c'est comme ça. C'est quand tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau. Tu fais 40 degrés, tu veux bien. Ouais, bon, un quoi. Petit coucou à Serge Gonzalez qui est au bord du terrain avec son magnifique canon photographique. Ah, c'est hallucinant. Ah, mais il y a aussi Patrick Colombel et Laurent Frozoul. Ouais, ça discute. Alors, en temps habituel, on siffle, mais comme on a les micros ouverts, on ne le fera pas aujourd'hui. Ouais. Et oui, on est en forme. Hein. Vous voulez les stades de la buvette, hein? Non, les stades de la buvette. Alors nous avons 66 fûts, 3 coca et un iced tea. Allez, bravo. Les stades de la buvette, sachant qu'un token coûte 1,25€. Nous en sommes déjà à la quatrième carte bleue de 25€. Combien avons-nous consommé de bière avec ces tokens? Vous avez une heure. Alors, pour une autre petite anecdote, le joueur qui, le numéro normalement 22, si on se tient au numéro de la feuille de match, Yann Madigan, donc numéro 22, il est passé par l'Union Bordeaux-Bègles en 2016-2017. Donc ça parle aussi l'Union Bordeaux-Bègles. À certains du top 14. Rado qui est à la manœuvre sur cette mêlée en faveur du Castres olympique, toujours 21-13 en faveur de Bristol. Allez, c'est super. On est stable pour le moment. Et qu'est-ce qu'il mais fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait le tour en fait, mais il a pris la rocade. Allez, c'est allez, la paire. Superbe accélération, il se retrouve au sol. La paire, il n'y en avait pas deux là. Attention. Ah là, celle-là il l'a glissé. Elle était pour moi, elle était calme. Il nous l'avait dit, c'est l'apéro, c'est pour lui ce soir. C'est bon. Jenekir qui retourne au sol, Rado qui va ouvrir, Nkinsi qui attend le ballon. Allez, lance-toi. C'est bien ça. Allez, on continue, on avance. Rado qui va donner pour Jules Dumora. C'est parti. Oui, il a vu le trou. Oh là là, le pauvre. Il vient de se faire découper. Parfait, ça va, Benjamin, la patte, il arrive, il fait la toupie. Encore une fois, il est encore debout. Il avance, c'est ça Benjamin, c'est ça. Allez, il a pris la fenêtre, voilà, avec. C'est bien. Rado, superbe. Ouh là 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 là. Ça quelle va percussion. Allez, Julien Dumora, il y va pour Kevin Gimeno là-bas. Qui est arrêté par deux plaqueurs de Bristol. On a reculé un petit peu. Mais allez. C'est pour Jelon, Jelon qui donne à Jelekker. Nkinsi, allez, au soutien. Allez, super, bon écart. Allez, Benjamin la paire. Oh, oui. Allez, Babs.
C'est bon, allez, c'est récupéré, on la garde, on la garde. Il n'y a pas d'en avant. 5 mètres de la ligne. Allez, superbe pour Anthony Jelon. Jelon, je lui donne. Ça, oui, Ogi. Oui, Ogi. Oh là là, Karina, qui est repris, refoulé. Oh là là. Oh, quel dommage. Quel dommage. Karina, Ouyongi va venir aplatir cet essai. Aplater. Ça y est, j'en perds mon français tellement. Parle en anglais, ça y est. Je vais essayer. Oh, quel dommage, mais bon. Karina, il était à deux doigts de venir aplatir cet essai-là. Mais oh là là là, c'est dommage. Mais ça fait plaisir parce qu'on voit dès le départ quand même le jeu de Benjamin Lapierre qui reste debout, qui tente sur une toupie, qui se remet dans l'axe. C'était vraiment. Voilà, c'est bien. On commence à avancer, c'est pas mal. Karina qui va sortir. Karina qui va sortir et peut-être. C'est déjà bien. Alors qu'on est en train de perdre l'arbitre radio Olympique TV. Falatea qui est rentré là, à la place de Karina. Falatea, le pauvre qu'on n'a pas vu beaucoup s'exprimer sous les Rurios alors qu'il était arrivé de Narbonne. C'est vrai. Peut-être va-t-il saisir sa chance sur cette... On lui souhaite en tout cas. Oui, on l'a vu quand même évoluer plusieurs fois quand même, malgré tout. Hein, mais c'est vrai que... C'était compliqué d'arriver à enlever les Daniel Kotze et tout autre joueur. J'ai pas forcément besoin de vous donner les noms. Non, mais c'est compliqué aussi parce qu'on a vu que l'année dernière on a fatigué beaucoup de joueurs et qu'on a joué avec les blessures, hein, avec Kotze, avec Kishit. Mais bon, allez, c'est une nouvelle année. Ne remettons pas le couteau dans la plaie. Il fallait terminer par une rime. Hein. Ouais. Bon, petit coucou à Sophie, hein, Sophie Navarro qui nous regarde depuis Saint-Jean-de-Luz sur la plage. On arrive dans une heure. Voilà. Prépare les gâteaux apéro. Bonsoir à tous les castrés qui nous regardent à Valras, certainement à la mer où il fait très chaud et ici, c'est pas le cas il du fait tout. Pas du tout chaud. On pense à vous, hein, plus que vous pensez à nous. Ouais, c'est suites, sûr. Les suites sont bonnes. Hein. Ouais, en espérant que Sporer nous refera des suites parce que franchement, il fait pas très très chaud ici. Des manteaux, mais des doudounes. Et pas cher, surtout parce qu'au mois d'août quand même. Allez, c'est parti, introduction pour les Anglais. Ouh, quel impact! On l'a entendu, oui! Superbe mêlée! Mais bien sûr! Voilà, on va mettre l'église à Saint-Tro. Bravo! Du village un peu, parce que là. Il faut la théâtre, hein! Ça a tourné de ce côté, donc. C'est très très bien ce qu'on vient de voir une nouvelle fois. Ils sont où là, les Anglais? Alors, est-ce qu'on reprendrait pas la mêlée puisqu'on vient d'enfoncer? Ouais, moi je dis qu'on pourrait la reprendre, cette brave mêlée. Pourquoi pas aller essayer d'aller prendre essai de pénalité à l'issue de plusieurs mêlées. Là, on vient quand même de les vexer un peu. Aïe, on va en touche. Allez, c'est pas grave. À la touche, un mollet, on va marquer, on va y arriver, c'est bon ça. Alors voilà, vous venez de résumer, vous connaissez le score final, merci Alexis. Allez, la touche, avec le vent, il va falloir faire, je pense, mais à mon avis, ça sera une touche en premier sauteur. Si on va en fond. Bien récupéré. Allez, Molle. Kinsey, allez. Allez, Camille Balanche, c'est parti. Avantage. Allez, Bleu, on avance. Allez, oui. On était justement en train d'en parler. Il rentre et il marque son premier essai sous les couleurs du Castres Olympique. Parfait. Ça y est, il se lâche là, c'est voilà, parti. Ça c'est fait, c'est pour moi, c'est cadeau. Et il va falloir quand même... Falatea qui vient... En remettre un derrière, parce qu'on ne peut pas... Qui vient... J'en perds... C'est peut-être le seul moment où on s'est réchauffé aujourd'hui, donc on en profite, ne nous en voulez pas. On commence à crier parce que tout le bas est gelé, voilà. Faut pas jouer à la face, la prochaine fois je viendrai avec des gants ici au mois d'août. C'est sympa, ouais, cet hiver on sera bien là. Allez Benji, celle-là tu nous la passes. On l'a fait le mois d'août, en hiver il devrait faire meilleur, je pense. Ouais. Donc pour l'instant nous sommes à 21-18 avant la transformation de Benjamin Lapierre. Et ça passe, voilà. On recolle au score. C'est bien. Buteur, on est au buteur. 21-20. Ouais, 21-20, mais on a quand même des buteurs à 100% hein, aujourd'hui. Ouais, super. Je veux dire. Benjamin Lapierre et Benjamin est quand même connu pour avoir un très très bon coup de un jeu au pied. Hein. Allez, on n'est pas loin. Allez amis supporters, on se réveille là. Allez. Tu vois quand même que les 3 points de tout à l'heure, les 3 points là, hein, ils étaient utiles.
les 3 points de tout à l'heure qu'on dirait peut-être. On a entendu, ça fait ouh, ouais. Mais si, c'était bien. Mais voilà. Attention, le ballon arrive de l'autre côté. Oh là là. Mais il gagne même du temps sur les ballons, tu vois. Et allez, il refait. Hop, attention. Oh, oh là. C'est Chazal, l'arbitre de touche, qui récupère ce ballon. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Bristol, assez long. Ils vont retomber dans les 22. Et c'est dans les dégagé. Non, ça relance. Très bien. Allez, c'est parfait. On est au soutien. Tranquille, là, du Mora. Superbe. Ça relance les 22. À Mathieu Babillot. Ouf. À l'impact, c'est lourd. Hein. Allez, on continue d'avancer. Déjà, on a les mains sur le ballon. Vas-y, allez, c'est parti pour jus. Allez, bien, j'ai du Mora. Très belle. Ouh, il y a du soleil. Ouais, alors là, le pauvre numéro 10 a été déstabilisé par le soleil. Le soleil, ils n'ont pas l'habitude. La hein. Le soleil, il a. Alors attendons, bientôt ils vont demander une pose lunettes de soleil. On va peut-être y avoir le droit. On va peut-être y ça avoir part le droit. Un petit peu en sucette là au niveau des commentaires. Je suis désolé. Non, mais il a raison, il a raison. On a qu'à faire une pose de lunettes de soleil aussi. Voilà. C'est bien. Après la pose de water break. Est-ce qu'il va réussir à faire une droite? On la récupère toujours pas. Oui, il a failli avoir la faille. Oui, le récupérer ce ballon. Mais elle est tombée en arrière, donc c'est les Anglais qui l'ont toujours en possession. Ça passe par le sol, côté British. Et ça relance. C'est bien donné, c'est bien donné. Ils sont à 3 sur le. Ouh, attention le plaquage. Oh, mais bon, ballon, ça va. C'est bien, c'est bien. Et dans les règles. Allez, ouh, quelle montée. Ouh, c'est Anthony Gelon qui a pas fait le voyage pour rien. Il est pas venu pour rien. C'est bien de découper, mais. Il faut se replacer quand même, attention sur la ligne d'attaque, on voit qu'il coulisse super bien avec le ballon. On est en place quand même, allez, on met des tubes un peu. Ils ne perdent pas le ballon, allez sur le ruck, allez. Non, allez. On a perdu les appuis. Ah non. On a perdu les appuis. Ah non, mais là. Mais j'ai compris ce qui s'est passé, je l'ai vu. Excuse-moi, par rapport à la gestuelle, c'est le placard qui lâche pas le plaqué. Ouais, je suis pas... Non, c'est pas ça du tout. Non, pourtant, je c'est pas il peut pas le refaire filmer, hein, le geste. Je vais vous le dire, c'est Geneker qui est venu plaquer un joueur sans ballon, alors qui n'était pas porteur du ballon, et il vient pénaliser ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, quand on le voit en direct, que c'est un joueur qui fait un faux appel, qui vient sur Geneker et qui se fait plaquer. Bon, après, il aurait pu la laisser aussi. Mais monsieur Blasco est intransigeant sur la règle et prend cette pénalité. Donc, à juste titre. Un petit point sur le résultat. Donc, nous en sommes à 21-20 pour Bristol. Et nous jouons donc la 30e minute de ce match en deuxième période. Oui, superbe récupération de la part des Castrés. Il l'a fallu celle-là. Ça va faire du bien là. Tant qu'on la dégage pas au pied et qu'on repart à la. Ça dégage au pied. Ouais, mais ils ont le vent, ils ont le soleil. Oh, c'est bien. C'est pas terrible. C'est bien. Bon, malgré, malgré le vent, fait qu'on va leur donner encore le lancer. Enfin, le problème avec le vent, c'était soit on tentait d'avoir quelqu'un à la récupération qui pouvait être dessous, mais on n'avait pas les appels des ailiers. Soit il fallait vraiment dégager et faire de l'occupation de terrain. Là, on se retrouve. Après, peut-être que ce vent aussi est un peu bizarre. Hein. Il souffle par un coup, on a l'impression qu'il tourbillonne, je sais pas. C'est pas, bizarre. Pas forcément un tourbillon, mais plus en rafale. Du changement, Jody Geneker qui va sortir. Avec Paul Sozare qui rentre, numéro 16, dans le dos. Et il me semble qu'il y a un arrière aussi qui est rentré. J'ai pas vu qui c'était. Hein ? Oui, c'est sûr, oui. Il y a un qui est sorti et un qui est rentré. Allez. Ricciardo qui est content de ses joueurs quand même. Ouais, la belle étape entre Ricciardo et Geneker. Ouf. Oh là là. Ils arrivent très 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 vite et très lancés les. Les English. Sortie de Geneker et entrée de Paul Sozare. Et Jérémy Fernandez qui est rentré à la place de Tartre, désespoir. Il était déjà pas rentré, oui. Oui, c'est ça. Allez, ça y va, même là. Bien Flo, qui a plongé. Superbe Flo, et on peut faire de la mise, un petit clin d'œil à Saragout. Toujours à l'écoute avec ses supporters. Allez, on la récupère, Il était au grattage quand même. Allez. À l'entrée des 22. Bristol. Allez, on continue, ça avance pour Bristol.
Bristol, là, il y a du grattage, il y a des joueurs. Il y a du grattage, monsieur l'arbitre, c'est superbe. Voilà, on est venu. Superbe grattage. Alors, on va le voir. Je vois Nkinsi les jambes un peu, mais. Le deuxième, c'est Babido. Babido qui a mis les mains sur ce ballon. À deux, ils sont allés là. Et ils ont gratté ce ballon. Très, très beau travail défensif. Ils ont été très propres sur la récupération du ballon. Maintenant, il va falloir qu'ils nous trouvent une belle touche là. Dans le camp de Bristol. Et je pense qu'elle est juste magnifique cette touche. Si là, on ne se remet pas la tête à l'endroit et qu'on ne prend pas une bonne touche pour la remarquer. Là, c'est une bonne munition. Là, hein, pour le, là il faut pas la. Le casse olympique, il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la gâcher celle-là parce qu'on n'y reviendra peut-être pas. Allez, donc, 22. Lancé pour Paul Sozare. Allez. Allez, le temps que les Castres arrivent. C'est de rallier qui est pas Kinsey terrible, super. Mais c'est repris, Anthony c'est derrière. Gelon, mais allez. Elle est tombée derrière. Se lance. Il prend de la vitesse. Superbe. Ouf, le soutien allez. Est arrivé fort. Bien joué ça de la part de Rado qui a tendu le soutien. Ah, mais heureusement, hein, parce qu'il y avait un joueur de Bristol qui était venu essayer de couper la ligne de passe. Oh, oui ça va vite, allez. Super. Oui et c'est inscrit par le numéro 17 du coup. C'est l'espoir. De Benedictis, c'est l'espoir dont on parlait tout à l'heure qui est arrivé de Grenoble et qui permet aux Castres Olympiques de repasser devant au score et ça fait 24-21 pour le CO. Ça va donner des mots de tête à Mauricio Reggiardo pour son 15 de départ là. Et ah, surtout que Mauricio est quand même basé vraiment sur la performance du joueur. Et qu'il met tout le monde à égalité, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur qui jouera. Mais de toute façon, la venue de Mauricio Reggiardo va permettre aussi de rabattre les cartes pour la saison à venir, hein, pour amener aussi de la concurrence au poste. Sur les postes, ouais. Et du coup, peut-être aussi aux joueurs qui étaient en poste depuis un moment. De peut-être aussi essayer de se remettre en question, de se remettre peut-être en question, et permettre aussi de voir des pépites se révéler. Bien sûr, Lapeyre qui la passe. Dans l'ongle. Et c'est Benjamin Lapeyre qui la passe. Donc du coup, le Castres Olympique mène 26 à 20. Non, 26 à 21. C'est pas possible. Et pour la première fois de la rencontre, nous avons le Castres Olympique qui passe devant au score. C'est 27-21, il me semble. 27-21, c'est ça. 26-21, ouais, je sais pas. 27-21. Ouais, 27-21. Allez, on renvoie les ballons. Arrêtez, on en a pas beaucoup. Oh, Jacques Higo qui a récupéré ce ballon avec aisance. Allez, ballon dans les. Je lance. Dans les mains de Jelonche. Oh, là en avant. Cette balle qui est tombée par Dumora. C'est Rado le numéro 9. C'est Rado qui a perdu le ballon. Non, mais oui. Il me semble que c'était c'est Rado le 9 qui a perdu la balle. Attention, mais après avoir fait un petit peu le taf, il faudrait pas quand même subir une marée blanche. Allez, nous sommes à 5 minutes de la fin qui joue de ce match. Oui, c'est ça. Il joue en noir d'habitude, t'aurais pu. S'il avait joué en noir. Ben voilà. Marée blanche. La marée noire, c'est plutôt short. La marée noire. Ouais, je compte plus l'aimer hein, parce que là, parce qu'ils auront travaillé pour la. Très très performant sur les dernières. Très performante à la mêlée aujourd'hui. Je pense qu'on a eu un petit passage à vide, mais là on s'est remis un petit peu les idées au clair. On a remis Pierre qui nous dit la pause fraîcheur là justement parce que oui, exactement. Ça difficile pour calculer. Ouais, elle nous a induit en erreur cette pause fraîcheur là. Ils font tout pour nous déstabiliser ces Anglais. Un mêlée, et ça met du temps à introduire du côté du numéro 9. C'est surtout qu'il se délie totalement. Il met énormément alors de temps. Alors il faut une petite poussée avant d'introduire. Ouais. C'est compliqué un petit peu faire maintenir ces mêlées à ce que ce soit joué correctement. Et ouais, là on est sur... potentiel cartouche pour Bristol. Ouais. Faudrait pas craquer là, hein, parce que. Est-ce que Bristol refuse pas l'impact aussi? Ouais, c'est ce que je te disais parce tout à l'heure. Vu les deux bralets qu'ils ont pris sur les deux dernières mêlées, je pense qu'ils doivent. On a certains qui nous font
les calculs dans les commentaires, c'est bien. Ouais, il n'introduit pas et il y a la poussée qui est déjà enclenchée par les Bristol et ce sera une pénalité. Et voilà, on a récupéré. À force, tu vois, il pousse en travers le droitier de Bristol depuis tout à l'heure. Alors donc forcément, là, à un moment donné. Il faut trouver la touche, hein, messieurs. On a déjà le droit. Trouver la touche, on a le temps. Ne pas de précipitation. En tout cas, c'est pas la quatrième mêlée d'affilée que l'on récupère. Ouais, on a le droitier de Bristol qui vient pousser sur le talonneur de chez nous. Forcément, au bout d'un moment, les mêlées sont pas bonnes. Donc, et monsieur Blasco l'a justement pénalisé. Et en plus, on trouve de belles touches, donc avec ça. Allez, on est c'est à parfait. 45 mètres là, de la ligne d'en-but de Bristol. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste pas trop de temps. Allez, il reste 4 minutes. Le CO est toujours devant. 3. 27 à 21. Ben, de toute façon, on le saura vis-à-vis du chrono de monsieur l'arbitre. Oui, tout en sachant que voilà, il peut parce aussi que, prendre des arrêts de jeu sur des moments où il doit avoir un peu jouer de diplomatie. Ouais, celui qui compte, c'est le chrono de monsieur l'arbitre. Allez, en Paul Sozare. Non, il vient d'arrêter. Voilà. Il vient d'arrêter. Donc justement, pour l'alignement, il y a un petit problème. Allez, Sozare. Et c'est un lancer réussi pour Mathieu Babillot. Récupéré par Antoine Tichit, qui se bat comme un beau diable là. Allez, il faut garder la possession du ballon. Mais. Ah voilà, parce et que le joueur. Mais une petite fessée au numéro 4. Là, une jolie petite fessée. Monsieur Hawkins se rappellera du passage de Rado. Ou peut-être pas. Ouais, parce que c'est vrai qu'il change les numéros, nous aussi. Les numéros, ça veut plus trop dire grand chose. Hein. Parce qu'ils vont faire une belle touche. Mais je pense que ça doit être lui. Ils peuvent aussi demander une pause. Au vu de la carrure de la. Allez, on voyait le ballon un peu plus lointain au niveau des 22. Non, allez, savoir que l'arbitre est toujours très très bien placé. L'arbitre le touche et c'est lui qui voit au mieux si la touche elle est sortie à cet endroit-là ou pas. Quand on est dans une tribune, on ne voit pas bien le plan vertical de la touche. Monsieur Chazal qui a justement marqué cette touche. Paul Sozare qui va lancer ce ballon. Qui va au sol. Allez, maintenant on lâche le numéro 4, Hawkins. Pénalité. Et oui, on la lâche. Ça fait deux fois quand même qu'il vient de se mettre à la faute volontairement. Moi ça me va ça. Là je pense que les biceps de Hawkinsy ils ont dû marcher correctement. Ah mais moi il serait reparti avec mes épaules. Hein. C'est sûr. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vraiment c'est allez, dans l'intensité. Est-ce qu'on va chercher les 3 points ou est-ce qu'on va chercher la touche? Ça va chercher la touche. Moi j'aurais été comme toi, j'avoue que je voulais que le match s'arrête maintenant. Ah ouais mais bon. Mais moi j'ai bien envie que les infos se complètement parce que vu les commentaires qu'on a des Anglais, ça va leur un peu leur. Mais voilà, peut-être un ballon porté, attention, hein, parce que c'est bien ça, on a failli être contré là sur Hawkinsy, donc attention quand même. Moi je dis pas le nom parce que... sorte que... On la récupère, Mathieu Babillot en fond de touche. Allez, ballon porté. Tout le monde, il faut y aller. Allez, bleu. Quelque chose. Allez, on avance. Ça va pousser. Allez, ça pousse, on avance. On commence à progresser. Attention, il y a un double molle là, devant, voilà, on ne doit pas toucher, sinon on va se mettre en jeu. C'est parti, ça avance. Allez, ça continue. Avantage, on se met à la faute côté anglais. Mais on a encore le ballon dans les mains pour le numéro 7. Ah, attention, il va falloir faire quelque chose. On est venu sur le côté, le numéro 3. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Moi, je tenterai peut-être la mêlée aussi. Hein. Oui, moi aussi, je prendrais bien, mais. Moi, je tenterai peut-être la mêlée. Parce qu'on se sent fort aujourd'hui en mêlée. Mais ils la prendront peut-être pas. Peut-être touche, peut-être un peu plus délicat. Prendre la touche. Même si à l'image là, Babillot avait bien capté ce ballon. Bon, on travaillera la touche, on a assez travaillé à la mêlée, je pense, à mon avis, Alex. Là, pour le coup, je pense que. En plus, il y a du vent, ça va super bien pour la travailler, cette mêlée. Ça touche. Allez. Paul, tu nous fais une belle ogive là. Une truc bien bien lissé là. Une 4 fromages, non. Et sans olive, hein. Oh, une belle vissée. Il est très très propre hein, sur les lancers, même quand on va le voir avec les espoirs. Bien. Après, on est. Voilà. Ah, t'aurais dû te taire, Alex. Je crois que j'ai porté la guigne, Marlon. Oui, merci, hein, merci. Allez, ce n'est pas grave, on va rester en place, on reste chez eux. Allez. Il y aura une pénalité en faveur. Non, je crois que c'est en avant sur la touche. Non, je crois pas. C'est en avant. Mais dis donc, en arbitre, ils se comprennent plus. Allez, c'est parti, attention. Terminé, normalement. Voilà, sur le coup de pied. Voilà, et on va repartir. Vous avez peut-être raison, les gars. Pour une fois. Non, mais c'est pas grave. Tu
tu sais, nous les arbitres, on arrive à se remettre en question. Mais c'est tout à ton honneur. Tiens, et on pourrait d'ailleurs débattre en donnant rien qu'un nom. Peut-être non, qu'on non, a. Non, 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 on va éviter. Comment se pas à faire du copinage avec les arbitres? Non, j'ai rien dit. Oui, c'était tout à l'heure. Non, mais j'ai même pas parlé d'Albi encore. Toi, tu m'amènes sur un. Tu voulais que je cite quelqu'un en fait. C'est pas très bien ça, monsieur. Allez, on va lancer. Paul Sozaré. Voilà. Oh, c'est le deuxième de la finition. Ouh là 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 là, qui a décidé de prendre le petit côté de l'île. Il y a touche. Il y a touche. Ah, il est passé en touche. Est-ce qu'on va siffler? Heureusement. On va siffler la fin du match. Oui, non, non, oui. Oula. Julien Dumourin rappelle tout le monde. Oh là là, ça jette le ballon gratuit là. Allez, messieurs, c'est un match amical. On fait plaisir au public. C'est le numéro 9. C'est normal. Il fait son travail. Son travail de mêlée. Allez, il cherche un peu. Allez, Paul. Allez, Paul. Celui-là, tu le réussis. Tu nous en fais une bien là. Non, non, Alex, ne le dis pas, s'il te plaît. Ne le dis pas. Qu'on puisse garder ce ballon au chaud. Oh là là, c'est la troisième d'affilée. Le Paul, Sozaré, qui malheureusement s'est loupé. Mais c'est pas grave. Allez, on va se reprendre en défense. Et voilà. Ouh là là, Flo Vialel. Arrêt buffé là-bas. Allez, on est en place. On est en place défensivement. Superbe plaquage pour le jeu par deux. C'est Tichit qui est rentré. Il a les mains sur le ballon, il a les mains sur le ballon, ça va être récompensé. Pénalité en faveur de le superbe. On avait la main sur le ballon. Allez, je pense que et ça récompense le travail. 3 points. Allez, on va prendre les 3 points, Babs. Comme ça, c'est fini. Allez, on prend les 3 points. Est-ce que le temps. Est-ce que le temps sur le. Allez, Alexis, lève-toi et lance le clap. Allez, il a demandé à monsieur. Attention, hein. Attention, messieurs, attention. Oui, attention. Parce que. Attention. On est sur une pénalité. Oui. Si le ballon ne sort pas des limites du terrain. Ah. On peut avoir encore une attaque anglaise. Je ne veux pas porter la guigne. Mais quand enfin, même. Il faut faire depuis tout à l'heure. Donc, ouais. Benjamin Lapeyre, tu ne l'as pas. Non, il va la mettre, il est bien, Benji. Allez, voilà, hop, c'est bon. À tous les deux. Benjamin Lapeyre. Benjamin Lambert vient clôturer cette rencontre du challenge vainqueur. Bravo au Castres Olympique et merci aux adversaires Bristol d'avoir fait le déplacement. Et voilà, donc on va rendre l'antenne et aller se positionner pour essayer d'aller faire les interviews d'après-match. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Ça nous fait hyper plaisir. On a vu énormément de commentaires en direct. Ça fait hyper, hyper, hyper plaisir. J'en rajoute un, hyper plaisir. Et à tout à l'heure pour les interviews d'après-match. Merci. Allez, à vous. Merci à tous. Merci.